Non, mais moi, ça y Ah est, moi, merde, c'est j'ai clair. raccroché. Moi, ça va le fumer, hein, ce fils de pute de Padré. Je vais pas chercher à comprendre. Parce qu'il y en a plein, ils veulent le fumer, donc. Pardon, je t'ai raccroché au nez. Tu disais quoi? Alors, attends, c'était. Ouais, c'était vers ici. Bah ouais, c'était pas loin là. Je crois que c'était pas loin du coiffeur, là. C'était juste à côté là. Ouais. Mais ils sont plusieurs, hein. En fait, c'est Non, juste à côté du quartier j'irai quand pas ils sont chez venus. toi. Ils étaient là, à ta droite, ils Ouais, étaient non, plus non, loin, je là, tu sais, à t'enverrai une côté pause, du. mais j'irai pas Ouais, chez toi. c'était au quartier, quoi. C'était pas loin, tout. Il va Ok. falloir que je charbonne alors, hein, pour avoir un bloc. Parce que là, j'ai plus le choix, sinon, Ok, je sinon je vais me t'arrange. faire prendre Bon, les portes. on va pas tarder en avoir là, on est. Là, là, elle a me vomi dans la voiture. Oh Ah ouais, putain, putain. c'est pas grave, je le Désolé, tiens. c'est Mal ta au voiture, hein? ventre. C'est ta Vas-y, voiture. dans le coffre. On nettoiera le coffre, hein. Non. Je te le dis, moi, ça va le fumer, hein. Moi, je vais. Mais Il il faut faut, on a plus le charbonner choix. là. On a plus le Ah, il choix. faut le Bon. tenter. Ouais, désolé. Du coup, Ouah, mais ces histoires, c'est pourquoi ils dinguerie. veulent te kidnapper, toi? Pour plein de raisons, je Pour plein de pense. raisons. Tu fais partie d'un truc, toi? Rien du tout. Rien du tout. C'était Je pas suis toi qui partie étais moi-même. là la dernière fois, tu faisais partie des Sluggers? Pas du tout, non. J'ai Pas jamais du fait tout. partie Non, de non, quoi que c'est ce pas elle. soit. Non, Ah, c'est pas elle. Autant pour moi, Ouais. je comprends. Tu travailles dans quoi du coup? Tu t'appelles comment? Unicorn, Emma. Tu travailles à l'Unicorn toi aussi? Oui, Ouais, bah c'est à cause de on ça travaille que pour ses ça. problèmes et qu'on va me kidnapper. Ok, vous Que avez été lié Padré, du il coup au faut. problème et tout. Eh ouais, moi je suis lié, Ah sachant qu'en ouais. plus il veut me fumer moi aussi, alors je suis dans la merde. Et moi, ils ont tué mon frère et bah Emma Ouais. et papy, ils ont connu mon frère. Ok, putain. Tu t'appelles comment, pardon, toi, Moi, Costard? c'est Diego. Diego. C'est. Et toi, tu travailles dans quoi? Du coup, J'ai. en ce moment? Rien du tout. Rien du tout. Voilà. Ok, de toute façon, là, Les ils peuvent. losers. Là, ils te cherchent, tu penses, papy? On est Ils tous les trois veulent être. recherchés là. Ah ouais, Ouais, mais tous c'est les tous trois, les vous losers. attendez, Ouais, vous attendez ça, par le je groupe. pense. Ah, les Ils sont Shkodas. lourdement armés ou pas? Calibre 50, je Ouais, des dirais. flingues, c'est tout. Ouais, fait 9 mm. Que des Beretta, quoi. Ou Calibre 50. Ouais. Calibre 50, ouais, en tout Ah ouais. cas. Ouais, Nous, on ouais. n'a aucune arme, donc. Voilà. Et aucune arme, même pas des armes blanches? Ah Si, non, enfin, si. si, on Bah, a. si, on a un couteau, quoi. Mais Voilà, on on a fait rien ça, quoi. avec un Ça, couteau quand voilà, un c'est pistolet. tout. Ouais, je vois. Du coup, toi, tu peux plus retourner à l'Unicorn. Là, c'est Là, mort. c'est mort. Ah ouais, là c'est chaud, hein. Du C'est coup, ils te chaud, recherchent, chaud. quoi. Même à mon Après, avis, ça la va, lettre de l'unicorne, je suis démission, ça va sécurisé. être compliqué de l'envoyer, ils vont avoir ton adresse, quoi. Putain, mais c'est pour ça que Mercedes a mes dit Mais non, je ça peux plus va, j'en ai plein. travailler. Pourquoi? Du coup, Elle est Ta sœur. liée. Est-ce qu'on peut Mais oui. considérer. Qu'est-ce qu'il y a? Mais Ta sœur oui. est où? Mais t'as pas compris. Eh, hey, papy, il y a Vous le. pouvez la surveiller, je sais pas où elle est. 80% de Je sais pas où elle est, l'unicorn, ils papy. sont avec lui, hein. Oui, mais c'est pour ça, ces fils de pute, mais Je t'ai Ouais, de toute dit, à façon. partir du moment où on est où ça c'est la soirée elle s'est finie, ils sont tous sortis, ils sont Oh tous partis en même putain. temps et ils sont réunis quelque part. Moi j'ai capté parce que déjà en radio, t'as Padré qui dit tout le monde en noir. Et juste après, et avant ça, j'avais le mec qui voulait me parler. Sauf qu'il m'a jamais parlé. Mais moi je suis passé derrière Vraiment. l'unicorne, j'ai vu Padre tout seul, en train de parler avec des gars, cagoulés et noirs. Oui, mais oui, ils se sont préparés à l'avance. Sauf que comme d'habitude, ils parlent sur la radio du Nikon. Là, il faut le trouver, il faut le buter, hein. Il n'y a plus de solution. Ouais, mais là, Faut le c'est la merde, buter. Hein. sinon. Putain. Mais j'ai. Mais il me faut une arme. Oui, Ouais, mais bah il y a oui. combien de personnes qui vous cherchent en total, vous savez ou pas? Vous avez pu les compter? Une dizaine, je Ouais. pense. Là, ils étaient quoi? Ils étaient quoi? Ils étaient 4, non? 4-5, quoi. 4-5? Ouais, voilà. C'est Mais 5, je crois. faut qu'on chope des armes, de toute façon. Ouais. Faut se calibrer, hein. 24, il est mêlé là-dedans. Je 24, il est t'expliquerai. mêlé dedans. Ouais, je t'expliquerai Attendez, pourquoi. je vais essayer de mettre un message sur. Je leur envoie des SMS. Ouais, Oh, Voir papy! si ça revient. Qui c'est qui Papy, t'es me. là? Qui C'est moi, c'est? c'est Inaya. Bonsoir. Noavé, c'est Ah! Noavé? Ouais, Là, c'est moi, là. ça va, DOS. Mais non, Salut, sans ça va toi? Déconner! Ouais, C'est qui ça ça? va. Ça, Là, c'est c'est des des. amis à moi. Enfin, c'est long à expliquer, c'est fou. Ok, bah je vous Salut, présente Ruben! Marcus qui va rejoindre. Bah bon, C'est bonsoir, moi qui? c'est Marcus. Ouais, Salut, putain, y'a Marcus. combien de Marcus? Aïe, Je voulais ah aller à bah, Caillou. c'est un gros Marcus. Si vous voulez venir avec, j'ai un pote de la milice qui. Ah, c'est un pote de la milice? Oh. Ouais, je me suis fait un pote avant. Du Mais. coup, Comment ça? Marcus, tu fais partie de la milice? Ah non, 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 c'est Non, pas moi. non, Moi, je non, suis non, plutôt non, pas moi. débarqué. J'ai dit, je vais aller Ok, à ok. Caillou après. Mais je savais pas Ah, que vous ok. étiez là. Ouais, moi, je suis là. Et en fait, ils se sont fait braquer, papy et tout. Quoi? Par qui? Et Ah, là, ils c'est sont la merde. recherchés. Ah, Y'a on est papy qui est recherché de recherché avec ouf. ses amis.
Comment ça, ils sont recherchés? Ils étaient regardés, ils ont été braqués par... Ah, ils ont été braqués par qui? Je vous laisse lui expliquer le récap, un petit récap rapide. Moi, le temps, j'envoie des messages, j'essaie de voir s'il y a des gens. Vas-y, vas-y. Mais rejoignez la radio, s'il vous plaît, aussi. Ah oui, alors. Bah, mettez-vous en présence. Vas-y, explique-moi, papa. Vous avez pas de. J'ai pas de radio. Je pourrais juste me passer, du coup, mon couteau, il est dans ton coffre. Vous me donnez l'accès au coffre. Tu peux me donner l'accès au coffre? Vas-y, je te laisse venir. Attends, et après, de ramener une radio à Marcus, si possible. Je vais voir si on en a dans ce coffre et je ramène, attendez. Vas-y, papy, j'arrive. Ouais, si vous voyez une meuf aux cheveux roses, attrapez-la et ligotez-la. Hein. C'est ma petite sœur, elle fait boire. Mais comment on dit, hein, ça va touper fort, mais là, ça va fumer fort, là. Ah, là, ça va... Il faut le trouver, il faut le buter, là, il n'y a plus de solution. Ah, mais moi, je voulais déjà le faire cette semaine, mais j'avais... Wow. Ça, vous avez des problèmes? Ouais, effectivement, ouais. Ok. Bon, moi, je viens de débarquer, on m'a parlé beaucoup de choses. Je suis un peu perdu, je vous avoue. Mais si vous avez besoin d'aide... Par rapport à... au mercenaire, tu es qui, toi? Moi, je suis rien du tout. Moi, je viens juste de débarquer avec la jeune fille qu'on a vue avant en short. Là, je suis un vieil ami à elle. Un ami, hein? Depuis longtemps, et elle m'a dit de venir ici, éventuellement, parce qu'il y aurait des opportunités. Et bah, du coup, je suis venu... Un ami ou ami plus? Ah non, je suis juste un ami. Il faut manger à bord. Dis donc, petit coquin, ça te regarde, toi? Bah, je pose des questions, je m'intéresse, excusez-moi. Ouais, c'est ça. T'as, si tout mouvement je fais, c'est dérangeant, j'ai plus rien faire, moi. Ouais. Bordel. Non, non, on se connaît plus longtemps, on se connaît bien. Ouais, ça va, alors, ça mieux, c'est cool. C'est cool. Les vieux potes, quoi. Non, mais moi, ça m'a. Bah oui, parce que moi, je te dis, je te raconte pas la merde. Tout le monde me connaît, hein, papy, au machin, au papy. Ah bah, ouais. Bon, ben, papy, maintenant, il est recherché, donc c'est la merde. C'est des choses qui arrivent quand on a d'expérience et quand on connaît tout le monde, quoi. Ouais, mais bon, le plus que je suis connu, c'est à l'Unicorn. Bon, après... Ouais, bon, après, je pense qu'il y a eu des... Il y a eu des bonnes périodes, quoi. Et... Il est arrivé en ville quand? Ah, ouais, mais bon, ça va... On a tous, tous passé par là, quoi. Alors, tout le monde, les gars. Papy, tu m'expliques? Oui. Bon, en fait, si tu veux... tu vois, de base, moi, je travaille à l'Unicorn avec... Là-bas, il y a une personne qui s'appelle Oscar, qui se nomme Padré, fils de pute de Padré d'ailleurs, fils de pute. Et si tu veux, tu vois, il a eu des histoires avec elle, avec le frère de Diego, avec 24 aussi, mais ça c'est une autre, enfin, c'est une autre histoire, okay. Voilà, c'est une autre histoire. Et moi, il en a eu quelques-unes par le passé, enfin, quand j'ai dit aussi que... Enfin, il était en vue... Tu t'appelles comment, toi? On peut rien. Je me rappelle plus, désolé, j'ai trop d'infos. Mais c'est que... Emma, enfin, c'est compliqué. Emma, okay. Et Diego, Emma et Diego, c'est ça? T'es. Parce que vous savez qui nous sommes? Papy vous a un peu parlé de nous ou pas? Pas du tout. Ouais, mercenaire. Ouais. Je pense que... Est-ce que c'est des personnes de confiance? Je pense que oui. Oui, clairement oui. Clairement oui, c'est des personnes de confiance. Ok, ben en fait, nous sommes les mercenaires, des anciens vétérans de la guerre. On est un groupe à peu près d'une quinzaine de personnes. Incroyable. Et on collaborera avec quasiment toutes les organisations, à part quelques-unes, on n'est pas d'accord avec leur manière de procéder, et ainsi qu'avec plusieurs gangs, mais pas tous, car on a des ennemis aussi. Normal, normal. On peut être amené aussi à collaborer avec le cartel de Caillou, ainsi que la milice. Ok, d'accord. En fait, on touche un peu à tout, on a beaucoup de contacts. Ok, ok, ouais, j'ai capté. En général, on a une très bonne réputation auprès des orgas et des gangs parce que, en fait, on essaie d'arranger un peu tout le monde. Si, exemple, il y a deux orgas ou deux gangs, un gang et un orga qui ne s'entendent pas, on arrive à faire intermédiaire, soit pour trouver une solution, soit pour trouver un moyen plus radical. Si vous voyez ce que je voulais dire. Voilà, en gros, on n'est pas le bureau des plaintes, quoi. Voilà. En fait, on peut être mandaté par, soit par un gang, soit par une milice, soit par une orga, pour procéder à plusieurs missions, peut-être kidnapper quelqu'un, peut-être rechercher quelqu'un. Faire une escorte de véhicules, un convoi, un braquage, ça peut aller comme du tout petit crime au plus grand délit. Mais. En échange voilà, d'argent égale service, non? Voilà, c'est ça. C'est, voilà. C'est ça. En général, les gangs ou les organes, ils nous payent soit en argent, soit en armes.
Ah, intéressant, intéressant. Et là, on commence à faire des affaires avec plusieurs gangs, plusieurs gars. Ils commencent à nous missionner, de nous donner quelques missions. Et là, on est en train de... On a monté notre dossier, on l'a présenté au gouvernement parce qu'il faut que ce soit déclaré. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est... Et le dossier est quasi classé. On a mis un descriptif de chacun des agents, bien sûr, dans l'anonymat de chacun, pour garder une certaine confidentialité, pour éviter qu'un jour on se retrouve avec la police à notre porte, vous voyez. C'est. Mm-hmm. Et au final, je pense que ça arrange un peu la ville et l'état de San Andreas, qu'il y a une certaine armée privée, entre guillemets, vu qu'on est des mercenaires, qui est aussi là pour mettre de l'ordre des fois. Parce que la certes... ouais, voilà, c'est gaffe, ça. Ouais, il rigole pas. Hein. Mais en tout cas, on est plutôt bien vu des orgas et des orgas des gangs. Ouais. Nové. Ouais, dis-moi. Après, je te dirai un truc par rapport au cartel de Caillou. Ok, ouais, ça marche. Donc, moi, de toute façon, je vous presse pas par le temps, je vous laisse y réfléchir. Et éventuellement m'apporter une réponse. Ouais, dis-moi. Vous avez quoi nos fourmis en main ou pas ? Pour l'instant, il n'y a que les hauts gradés qui sont armés. Et une fois que le dossier va être passé auprès du gouvernement, ils vont s'arranger avec les services secrets et tout pour nous fournir en armes. Et normalement, ce sera bon. On pourra armer les Brazzo, les Commandante et les Grandés. Les Pequeños, au début, ils auront des armes blanches et par la suite, ils auront des Beretta, voire. Voilà. Même si on paye. Ou des SMS. Pardon ? Même si on paye, c'est pas possible. Si on paye, on peut en avoir. Si tu payes toi-même, c'est, oui. C'est... Non, mais c'est ça que je demande. Soit de. Sinon, le gang. Nous, à chaque fois qu'on a des sous, on se fournit en armes, dans tous les cas. Mais en ce moment, il y a une pénurie d'armes. Ils sont tous à la recherche d'armes. Ça veut dire à chaque fois qu'on s'oriente vers un gang ou une orga ou. Et ben, pour l'instant, ils sont un peu. Ils ont leurs armes pour eux et pour l'instant, ils peuvent pas en fournir. À part, ils peuvent en donner si vraiment c'est une mission importante, comme il y a une certaine organisation qui nous ont approché pour attraper une certaine personne et ils nous ont promis des armes. Okay. Voilà. Et en général, ouais, quand. Pour l'instant, il n'y en a pas de disponibles. On essaie d'avoir des. On a plusieurs contacts et on attend pour l'instant. Okay. Voilà. De toute façon, je vous laisse y réfléchir et vous m'apporterez votre réponse. Dans tous les cas, là, vu que vous êtes un peu recherché en danger, entre guillemets, vu que par respect pour mon ami Papi, je me dois de vous protéger. Gracias, c'est gentil. C'est tout à fait normal. Je pense qu'il faudrait que je passe au coiffeur. Ouais, je pense. Pas de soucis. Si vous voulez, on vous accompagne. Et Dos. Ton ami, il s'appelle Marvin, c'est ça ? Quoi ? Dos, ton ami, là. Marcus. Ouais, moi, c'est Marcus. Marcus, ouais. autant pour moi. Ouais, c'est pas grave. J'ai du mal à m'appeler. Papi m'a dit qu'il y a beaucoup de Marcus en ville. Ouais. Ah, ça m'étonne pas, c'est un nom hyper répandu. Hein. Oh, la dinguerie. Oh, putain. Bah, au pire...
m'a dit que ça allait pas, que t'avais des problèmes. Et du coup, je lui ai dit quoi, j'avais des problèmes. Il m'a dit qu'il pouvait me fournir un truc, soi-disant. Il m'a dit qu'il voulait me voir. Ouais. Du coup, je sais pas. Et tu lui as répondu quoi? Je lui ai dit, bah peut-être. Je lui ai dit, si on se voit, c'est moi qui envoie la page. Surveiller. Et du coup, on va faire comme t'as dit. Genre, on lui donne un point, mais s'ils viennent, ils sont en supériorité numérique. On fait comment? Bah c'est ça en fait. Moi je pensais, si par exemple on donne un point en haut d'une montagne. Regarde. Sinon, on les verra arriver. Sinon, on prend contact avec la police. Je prends contact avec la police. Ils vont sûrement arriver à armer, les gars. Ouais. Mmh. Et en gros, je vais leur donner la position. Je vais leur dire de surveiller, de rester aux alentours. Et je leur donne le go. Moi, je reste en hauteur. Je leur donne le go une fois que. Si on se rend compte que c'est bien une embuscade. Pourquoi vous travaillez avec la police, vous? Des fois, on collabore avec la police, ouais. On est les mercenaires, on travaille un peu avec tout le monde. Et on a des contacts auprès de tout le monde. D'un point de vue extérieur, mais la police, ils vont faire quoi sur eux? La police, en général, ils accepteront de collaborer, sachant qu'il y a des armes en jeu. Ils sont armés, hein, vous m'avez dit. Ouais. La police, ils crachent jamais sur une occasion de récupérer, de réquisitionner des armes. Ouais, mais il va se faire quoi? Il va se faire arrêter 5 minutes. Ils vont se faire arrêter, ils vont se prendre leurs armes. Certains, ils vont vouloir tirer, ils vont vouloir ouvrir le feu, ça, ils vont sûrement partir en fédéral. Dans tous les cas, si ça commence à tirer, ça commence à tirer, il y en a certains, ils vont prendre perpète, sachant qu'ils tireraient sur des agents de force de l'ordre. Et pour le reste, déjà, ils n'auront plus d'armes. Ça veut dire ça veut dire qu'on aura une occasion de pouvoir le baiser facilement, vu qu'il n'a pas d'armes. C'est ça, ouais. Non, j'aime beaucoup. Moi, je suis pas du genre à travailler avec la Guardia, mais pour le coup, c'est une bonne idée. On n'a pas le choix, ce qu'on fait. Ouais. C'est comme vous voulez. Après, d'un point de vue extérieur, ils peuvent venir que de la route là. Hein. Oui, ils vont pas donner ici la position, t'inquiète pas. Non, on va pas donner la position ici, hein, quand même. Non, sur une montagne. Il m'a dit qu'il m'envoyait un message quand il serait dispo. Ok, du coup, je vais c'est simple, quoi. Putain, faut trouver un endroit où on a accès de partout, où on peut être en hauteur. Ah, j'ai peut-être un endroit, moi. Ah, putain, j'ai peut-être un endroit aussi. J'ai un bon endroit où ils peuvent pas nous bloquer de devant. Par exemple, s'ils arrivent, ils peuvent pas nous bloquer. Ça fait que... Oui, je sais. Ça fait que vu que c'est un peu en hauteur, et ben on pourra sauter avec le véhicule et se barrer. Ouais. Mais il faut avoir des véhicules tout terrain. Ouais. Faut des véhicules tout-terrain. Attends, ok, véhicule tout-terrain, moi j'ai un pick-up. Ok. Moi j'ai le buggy, je peux aller chercher le buggy. Le buggy ça marche, ça fonctionne, ouais. Après j'ai un fourgon, mais après fourgon c'est pas tout-terrain quoi. Ouais, donc mais vraiment, déjà, vraiment, faudrait vraiment tout-terrain. J'ai deux véhicules tout-terrain. Ah, c'est très bien. Non, c'est bon, je sais où c'est qu'on peut faire le rendez-vous. Vous voyez le genre de sémaphore ou je sais pas quoi là? Où c'est qu'il y a plusieurs places, où qu'il y a des gradins, tout ça là? Ah, le truc de concert là? Ah ouais, ouais c'est ouais, une. Le vieux théâtre là, ouais. C'est bien ouais. Dégagé, ouais. Ouais en mais. Face du casino. Non, il y a des montagnes, on peut accéder facilement, il y a qu'une entrée et tout. On m'avait parlé d'un observatoire, ça marche aussi l'observatoire? L'observatoire ou le. Attends, mais vous voulez faire maintenant? Maintenant Ouais, ce soir. Hein. Lui, il comptait te faire quoi? Il comptait te donner la position maintenant, non? Du coup, je vais essayer de contacter quelqu'un. Vas-y, ça marche que cra. Écoute, envoie une position. J'arrive, on parle. Et si c'est bon, je vais chercher ce qu'il faut. Il va chercher surtout. Traduction, envoie une pause, je te braque et je te nique ta race. Voilà, voilà. C'est en gros. Il veut te soulever. Ah, peut-être qu'il va pas me braquer au premier rendez-vous. Ouais. Parce que du coup, ça veut dire qu'il prévoit de rendez-vous. Donc il va faire semblant en premier et me nique au deuxième. Oui, c'est ça, oui. Ou directement au premier. Dès qu'il aura l'occasion. C'est possible. Putain, c'est ouais, mais peut-être qu'il va se dire. En fait, il pense que t'es. Premier, comme ça, la confiance.
En fait, ou à moins qu'il pense que tu es grave stupide et dès le premier, dès que t'as l'occasion, il a l'occasion, bah, il va sortir le gun, il va te bloquer. Hein. Pardon. Je reviens, je vais pisser. C'est qui fait des séances? Ah, bah t'es. Mais alors, ça fait des séances ASMR, ce que je vois. Oh, je crois que. Lina. Elle a les genoux fragiles. Elle a les genoux fragiles, je pense. Ça craque. Ouais. Les genoux fragiles, dans ce cas-là, y'a plus que ça qui est fragile, oh là là. Ah bah ça, bah, je lui dis, c'est à force de faire des squats, je pense que les genoux ont pris un coup. Hein. Ah, je pense aussi, ouais, faut des petites arrêter là, parce que là, c'est. Ah bah, va falloir trouver un pantalon exprès, parce que là, c'est compliqué. Hein. Putain, ouais, c'est vrai que. Là, con, là, c'est... Par contre, ça serait bien de se bouger. Attends, mais y'a quoi là? C'est quoi le truc, c'est mort? Bah, y'a pas assez d'effets. Soit Emma et Diego. Pour l'instant, vous restez, on va vous cacher pour un temps. On va vous cacher, vous protéger pour un temps, le temps que ça se fasse. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est dangereux pour vous de circuler en ville. Mais je crois que le padre, là, il veut un rendez-vous maintenant, là. C'est ça, en fait, le truc. Ouais, mais c'est ça, le truc. Si, dans tous les cas, si tu te rends au rendez-vous, si vous vous rendez au rendez-vous, ben, c'est la mort assurée, je pense. Ça sent mauvais, quoi. Ouais, mais putain, c'est que... C'est celui-là où il... Mais c'est pas loin, ouais, c'est pas loin qui... C'est dans les alentours. Ok, là, on va aller un peu plus loin. Du coup, ce véhicule est recherché, quoi. Ouais, ce véhicule, ouais, il est... Bah, tu vois pas les impacts de balles sur le véhicule? Ouais, je vois. Bah, attends, tu sais quoi, on va foncer à la fourrière, on va le changer. Du coup, au changement de plan, je go à la fourrière de l'hôpital, je dois changer le véhicule parce que celui-là, il est recherché. Demain. Ouais. Il y a une dinguerie, en fait, tu vois le mec qui nous a braqué? C'est, en gros, il va partir de la ville. Ça fait que c'est la seule chose qu'on a pour le choper, c'est maintenant, là, c'est aujourd'hui, c'est ce soir. Et tu penses qu'il veut aller au point de rendez-vous? C'est lui qui va aller? En fait, lui, il va à rendez-vous avec Emma. Il va à rendez-vous avec Emma. Et on pourrait peut-être le baiser là-bas. Le truc, c'est que si on le chope, faudra. S'ils sont pleins, c'est ça le truc. Ouais, c'est le truc, c'est ça. C'est s'ils sont pleins et si, ben, si on le chope, qu'on peut pas le tuer, tu vois, c'est un peu con. Si on fait ça sur le yacht, par exemple, on verra qui arrive. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça peut être pas mal. Mais par contre, pour partir, c'est compliqué. Ouais, c'est ça en fait. C'est que si on peut tirer sur tout ce qui s'approche. Bah ouais. Si des gens qui s'approchent plus que tout seul, on les trucide. Du coup, c'est la dernière chance, c'est la seule chance qu'on a de le choper, c'est ce soir. Parce que après, il part, il quitte la ville. Faut qu'on le chope vivant. Faut qu'on le bute. Faut qu'il meure. Faut qu'il disparaisse. Faut qu'il meure de ce monde. Okay. Ouais. C'est mais ça là, le problème. Du coup, c'est risqué parce qu'on va risquer la vie d'Emma si on fait ça. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça qui m'explose. Parce que le tuer, c'est faisable, mais après, il y a des gros, gros risques. Quoi. Et en fait, on a plusieurs idées. C'est un bon endroit où on peut voir. Si on va sur un yacht, par exemple, on verra qui arrive dans tous les cas. Si on voit un bateau, on verra le nombre de personnes qu'il y a dessus. Mais justement, sur un yacht, les possibilités de fuite, elles sont compliquées. À part si. Oui, mais c'est bon, j'ai une idée. Vous avez des tenues de plongée ou pas? Vous avez des tenues de plongée non. ou pas? Non. Mais ça peut s'acheter. Ça peut être une idée, le yacht. Et dès qu'on voit que. Je vais vous montrer. S'il y a plus dès d'une personne qui s'approche. Voilà, vous plongez dans l'eau et vous allez au plus loin. Ouais, c'est une bonne technique. Moi, je vais avec elle. Hein. Ouais, pas de soucis, je vais venir avec vous, moi aussi. Mmh. Ok, on va tous se prendre des tenues de plongée et on y va tous. Ah non, bah non, il veut la mort de Emma, enfin, la mort, je sais pas, mais... Non, mais on va il juste a tué le mon blesser, frère. Laisse tomber. Ouais, bon, on va le blesser. Hein. Okay, on va lui faire la même chose qu'il a fait à ton frère. Ah ouais, parfait, je vais lui arracher les couilles, je vais lui faire... Oh, ça y est, je vais lui faire exactement ce qu'il a fait. On lui fait la même chose. Ah ok, ouais. J'avais pas vu. Faire ton véhicule. Je t'envoie une pause, tu viens, ok? Mets ta tenue.
On le kidnappe après. Ouais. Vas-y, tu lui dis que j'arrive, hein. Ouais. Ouais, beau gosse, tout en haut, tout en haut. Comment tu fais? Va voir les autres. Ah, ils sont passés par derrière, ces bâtards. J'ai plus. Ils sont tous à l'eau. Laissez tomber. Ils sont là. Ils sont passés par derrière, ces bâtards. J'ai plus. En fait, ils sont venus bien plus que nous. Il y a plusieurs voitures au niveau de la plage. Hein. J'en ai niqué un, il en manque quelques-uns. Mais fais gaffe, hein, plusieurs voitures au niveau de la plage. Voiture blanche, néon bleu. Je vais celui qui a les munitions, les autres sont dans la même. Oh bordel, j'ai cru que t'étais morte. Je viens de croiser mon patron. T'en fuck, Michael ? Là, la voiture blanche. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là, Michael ? Ah, il est avec lui. Ah, le fils de pute, il est sérieux. Je suis sûr, j'ai reconnu la tenue. Il est sérieux, il est avec eux, ce fils de pute. C'était sûr. Michael ! En fait, c'est l'unicorn, c'est une organisation, ouais. En fait. C'est ça. Ok, d'accord. C'est qui le gars à côté? Il est attaché, non? Je sais pas. Ouais, il vient de... Regarde, tu le reconnais? Ah ouais, bah ouais. Wow. Attends, je prends la caméra. Prends photo, vas-y. Mais figure... Attends, bouge. T'arrêtes pas de tomber! Il s'en énerve! T'as pris en photo? Non, j'ai pas pris. Pourquoi? Attends, bah tu me laisses pas le temps. Ah oui, mais il a sorti une arme. Quoi? Attends, quoi, j'attends qu'il sort. Tu m'as vu? Juste qu'il sort. Je vois, vite, hein. Il sortira pas. Je le vois, là. Ouais, je le vois. Avec ce truc bleu, là. Michael, fils de pute. En plus, on sait qui c'est qui a ce néon bleu. Qui les met tout le temps sur toutes ses voitures.
Oh la dinguerie. On est monté avec lui hier. Ouais. Ok, attends, bouge pas, je prends la photo. Et il nous C'est bon, prend j'ai en pris. photo Vas-y, aussi. vas-y. Il va te cramer. Je te l'ai envoyé normalement. Ouais. Je suis mort, il nous a pris en photo aussi. C'est une orga. L'unique. Mais là, et toi, tu travailles là, moi, t'es une ouf, hein. Attends, je vais faire un truc. Et bizarrement, elle répond pas. Elle raccroche. Et qui? C'est sûr, elle est avec eux. Et qui? Barbara. Ben oui, mais oui, bien encore heureux, encore heureux. Il y a Barbara, Michael, Oscar, Alice, Kay, c'est avec eux, c'est tout l'unicorne, tous ceux qui travaillent à l'unicorne, etc. Là. Les Attends, habitués et tout. je vais appeler l'autre. Comment il s'appelle? Allez, bizarrement, il répond pas. Ouais, c'est grave, la merde. C'est bizarre, hein? Il n'y a plus personne qui répond. Ah, c'est bizarre ça. Mais c'était sûr qu'elle allait venir avec tout le monde. C'était sûr. C'était un plan bourbier depuis le début. Il fallait dire C'est pour ça que j'ai été sur le bateau pour se barrer. C'est marrant, j'appelle tout le monde, il n'y a personne qui répond. parce qu'ils sont là-bas. Attends, j'ai une idée. Mais moi je comprends pas, c'est que. Qui appelle toi? Ah, pourquoi pas. Mais moi, regarde. Je te donne un numéro, t'appelles et Mais on voit s'il pourquoi répond. quand on a vu les autres bateaux, pourquoi t'as pas sauté, personne n'a sauté, genre. Ah, je voulais voir ça, c'était qui? Ok. Vas-y, te passe-moi les numéros, tu dis-moi qui, hein, comme ça je note. Vas-y, je t'envoie. Il s'appelle Finn, Enregistré, Finn. je l'appelle, je lui dis quoi? Je lui dis quoi aussi? Tu dis que tu veux te faire recruter au Unicorn hein, quand t'as donné son numéro pour être recruté? Ok, vas-y. Hey yo l'équipe, petite pause à la vidéo, vraiment pour vous remercier parce que vous avez été nombreux à avoir kiffé les vidéos et ça fait extrêmement plaisir. La chaîne a aussi atteint les 156 abonnés et ça fait très plaisir. Je sais qu'on peut aller plus loin donc n'hésitez pas les gars. Petit pouce bleu, petit commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être comme ça, hop, dès qu'il y a une vidéo qui sort, tac, petite notif, hop, vous cliquez sur la notif et tac, vous regardez la vidéo, vous laissez le petit like et ça fait plaisir tout simplement. Aussi pour vous dire l'équipe qu'on a un Discord. On a un Discord où tous les abonnés peuvent venir. Donc voilà, vous le lien dans la description, vous venez, tac. Si vous voulez être au courant des projets, des futurs projets, des vidéos, hop, vous venez dans le salon YouTube, tac, vous cliquez sur le lien. Bam! Et c'est incroyable. Et vous laissez le petit like. Et ça fait plaisir, quoi, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tout est dans la description, le Discord. Si vous pouvez débattre de tout ce que vous voulez, que ce soit du RP, du manga, des films, des chapes, ce que vous voulez. Donc voilà, quoi. Venez nous rejoindre. Ça fait zizir. Et je vous laisse avec les vidéos. Bonne soirée à vous. Bonne journée si vous regardez sans journée. Et voilà, gros bisous et ciao bye tout le monde. Ah, ça répond pas, hein. Ça m'étonne pas. 105-18-46, hein. Je vais vérifier. 105-18-46. Ouais, c'est ça. Ok. Attends, je vais le rappeler. Non, ça répond pas, hein. Ça répond pas. Oscar s'est fait buter. Il vient de Quoi? m'envoyer. Il jure. Non, j'étais dans le coma, je suis à l'hôpital. Jure, il s'est fait buter. Putain, je voulais lui couper la jambe, je voulais charcuter sa grand-mère. J'ai trop le seum. C'est la merde. Faut qu'on rentre. Je vais dormir. Tu vas faire et je vais dodo. avoir que 3 heures de sommeil là. Je lui ai envoyé force. Moi aussi, on a voulu me kidnapper. Je t'avais prévenu que j'étais recherchée. Il m'a répondu, mais c'est abusé qu'il veut ta peau comme ça. Ça a tiré et tout. Ça s'est tiré dessus. Ah bah ouais. Moi, j'ai pas envie d'arrêter l'unicorne. Mais il y a tout l'unicorne qui veut me tuer. What the fuck? Ah bah ouais, normal. Hop, attends. Il faut pas demi-tour. Ils ont vraiment cru qu'ils allaient nous niquer sur un bateau. Ah, bordel. En vrai, ils ont bien réussi hein, parce qu'il n'y a personne qui a vu les bateaux s'approcher et tout. En fait, ils sont venus pas derrière. On a calculé C'est l'avant pour ça qu'ils et. ont mis grave de temps. Ouais. En fait, ils ont fait un détour. J'avais dit Ils ont qu'il fallait des contourné de gens qui fou. regardent partout.
Y'a personne qui m'a écouté. Bah en fait, c'est, je sais pas, c'est qui? C'est vos potes là, et ces potes là, et c'est des trucs du cul, hein. Il y en a, C'est ses potes. ils disaient de la merde, je sais pas ce qu'ils racontaient. C'est pour ça que je veux pas rejoindre une orga. Ah ouais. Parce que c'est toujours le bordel. Si je vais faire une orga, je fais la même. Je vais pas rejoindre les autres. Ouais, t'as raison. Parce que quand tu rejoins les autres, c'est toujours le bordel. Je te jure. C'était sûr qu'ils allaient venir à 50. Bah oui, je l'ai senti à 10 km, mais c'était sûr que ça allait partir en couille. En fait, c'était soit ils venaient à 50 là, soit ils venaient à 50 au deuxième rendez-vous. Et là, de toute façon, ils mettaient trop de temps. C'est pas possible. Parce qu'il était juste à côté normalement, et là, il a mis 3 plombs. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et heureusement, tu t'es pas arrêté sur le pic là, quand t'as nagé. Ouais. Parce qu'ils attendaient là-bas. Hein. Ah ouais? Tu te serais fait niquer. Aïe aïe aïe. T'es chaud à courir au garage, hein? Change-toi, mets une tenue que personne connaît. Ouais. Putain, j'en peux plus. Ah la même, hein? C'est quoi cette vie? Putain de merde. Je comprends pas comment tu peux avoir autant la haine envers moi. On a croisé des potos là. Quel plaisir. Jure. C'est d'ailleurs le mec. Ah, c'est de l'autre côté. Incroyable. Ah là là. Nous montre avec eux mon cul avec des jets. J'adore le futur. J'adore le luxe. J'adore le luxe. De toute façon. Ah là là, nous, et c'est mexicain, j'adore le luxe. Oh là là. Ah, voilà. Je suis de retour à la gueule. Il l'a réactivé après. Hey Logan. Le petit dodo. Ça fait rêver. Hey, je suis en hélico. T'inquiète même pas, je t'envoie une photo. Ah là là. En hélico en or, n'oublie pas. Hélico en or massif. Ça va. Comment ça t'as un hélico? La vie de ma mère, attends. Comment ça t'as un hélico? Hé hey gros, regarde ça, cousin. Je t'envoie un message, je t'envoie une photo. Je te laisse là, je suis avec des clients. Regarde la photo. Eh, c'est ta mienne. Non, alors, personne c'est possible avec ça. Eh voilà. Regarde là. Incroyable. Icalos. T'as dit quoi? Voilà, parfait. Bouge plus. Parfait. Attends, j'ouvre. Vas-y, ouvre. Vas-y. Voilà, parfait. Oh là, je te suce. Non. Hop, j'enchaîne les photos, j'en prends 40. Vas-y, parfaito, c'est 200$ à la bilis. Ça fait vraiment homme d'affaires. La vie de ma mère, j'ai l'impression d'être Pablo Escobar dans un jet. Mais c'est une nègre. T'as dit quoi? Putain, c'est incroyable. T'as trop de flashs. Je suis dans un rêve. Justement, là, on va l'acheter. Normalement, les fichiers du truc, normalement, il y aurait personne. Ouvertement et tout. Je vais juste regarder l'entrée. Tu me fais rêver, Guzman. Tu t'es déplacé pour voir un appart. Non, y'a pas de place. Après, en bas, là, en gauche, là. Non, elle a pas commencé encore. Ah oui, en bas à gauche, peut-être. Ah, mais je crois que c'est au mur ici. On m'a dit que c'était au mur. Quoi? Attends, Bisby. Oh, merde. Tu vois, en bas, tu peux mettre un truc, non? En bas à droite là, les villas. Genre on met un appart et plus un truc s'il faut. On peut prendre une villa, par contre ceux qui sont là-haut là. Là-haut on peut? Ouais. Du sens de la villa vite là. Oh, viens. Allo? Oui, mais amour. Allo? T'es occupé ou pas? Ouais, là c'est en affaire de fou là, on est 12. On peut une villa, il y a un officier. Il y a de l'argent partout, il y a grave, c'est bordel. Attends, appelle-moi en FaceTime. Regarde, appelle-moi en FaceTime, s'il te plaît. Vas-y. Casse les couilles. Vas-y. Monsieur? Ouais. Oh là. Je vais vous donner quelque chose de très très rare aussi. Voilà quoi, non, rendez-vous d'affaires, tu comprends. Ça part des millions quoi, c'est normal. Tu es disponible demain? Ça me fait ça. Je suis disponible ce soir, demain, quand tu veux. C'était où, pas Guzman? À partir de quelle heure? La villa là-bas, il y a un officier, je crois, moi aussi. Demain, à partir de quelle heure? 35 000 Mais pourquoi tu me demandes ça? Je l'ai fait seul et je l'ai reçu. Parce que je suis en train de prendre un rendez-vous. J'ai 121 000. Merci, je me prends. Ah, avec moi, j'ai eu. Bah, moi, de toute façon, tu sais très bien, on dort ensemble. Tu sais à quelle heure je sors, tu sais à quelle heure je vais travailler, t'es bête ou quoi? Tu sais très bien à quelle heure je commence. Bon, oui, mais je dis quelle heure à quelle heure? Mais... De 15h à... Oh,
Pourquoi vous mettez pas un truc vers l'aéroport? Bah ouais, si tu veux. Bah, même à 11h. À 11h, si tu veux, genre. Tu seras jamais réveillé à 11h. Je me suis levé à 9h aujourd'hui. Ça fait pas plage. En gros, dis-toi, quand je rentre dans l'appart, t'as une vue sur la plage et tout. Je me suis levé à 9h aujourd'hui. Hier, je me suis levé à 10h. Avant-hier, je me suis levé à 5h. Ah, parce que Carlos s'est vu sur... Pourquoi tu vas acheter un truc? Je fais l'inventaire et après je viens si tu veux. Je suis dispo ce soir. Ah, la hausse de l'ébule. Demain, bah vas-y, bah ouais, si tu veux, demain. Et c'est un rendez-vous à l'hôpital. Rendez-vous à l'hôpital, hein. 350 kilos. Oui, je vais prendre celle-là. Ça sera okay. Entre 17h et 18h. 17h, 18h. Ouais. Tu peux pas. Mais pourquoi rendez-vous à l'hôpital? Enfin, t'es sûr que tu peux, toi? C'est très bien, pourquoi? Tu peux me mettre dans la ville. Je te rappelle, tu m'as dit quelque chose tout à l'heure. Ouais, si, c'est vrai. Ah, tu m'as dit quoi? Pour l'histoire de mon frère là. Les hallucinations que j'ai. Oui. Non, je suis venu. T'as dit que t'allais faire quoi? J'allais consulter. Voilà. Je t'ai fait un rendez-vous. Jure. Avec qui? J'ai essayé, ça marchait pas. Une MS du Nord, comment conseiller? Ok, très bien, parfait. Ouais, c'est bien. Bah, vas-y, hein, ouais, je suis dispo. Hein. T'as intérêt d'être là, hein, parce que sinon je vais me chercher par la peau du cul. Bah, ouais, t'inquiète. Là, je vais. Là, on parle de millions, tu vois, on parle d'argent, t'as capté. Et après, il faut que je fasse ça. 4 millions. Tu veux que je rapporte 4 millions? Bah, ouais. Allez, doucement quand même, doucement. Ouais, c'est pas facile, hein. Faut que je vende. Parce que là, ça fait plus. Ouais, t'inquiète. Je suis déjà. Toute la plage. Ouais, ouais. Vous voulez, Seigneur, vous voulez acheter toute la plage? Toute la plage, vas-y. Il y en a pour 10 millions là, c'est bon pour vous? 10 millions, c'est carré. Mais dis-moi, carré. C'est bon du carré. Coup, si je peux faire tout à l'heure, enfin ce soir après que j'ai travaillé. Ah oui, ce soir, oui. Vas-y, bisous, bébé. Ok, c'est bien, je suis à vous, désolé, c'était ma copine. En gros, tu vois le House 2. Ah ouais. Dans les grands comme une ville. Non, mais House. Mais les gars, si vous voulez une villa, je vous mets une villa. Je peux pas mettre une House 2 dans après, une après, villa. Mais après, là-bas, c'est pas des grandes villas. C'est des maisons. Ah non, mais t'inquiète. C'est juste des grandes villas. Non, au-dessus, c'est des villas. C'est des villas, Seigneur. Ouais, mais juste ici, là. Ici, là. C'est des maisons, c'est vraiment pas des villas. Est-ce qu'il y a des maisons moi là? Est-ce qu'il y a devant moi là? Non, plus jamais pour le au-dessus, là, c'est des villas. On voit un hélico. Vraiment, il prend les Pacific Bluff, trucs comme ça. Je sais pas, ils prennent tous les meilleurs trucs. Hein. Et là. Putain, j'ai trop les nerfs là. Et on peut pas acheter de yacht, non? On peut pas acheter sur le yacht? Juste, je peux vous mettre un. Je peux vous mettre un building sur le. Si vous voulez. Bah, tu sais, viens, on revient au début. Je me fais chier. Non mais la position vraiment. Ah ouais, t'es ah, je suis assis, y'a quoi? Je suis assis. T'es assis, ouais. Je suis assis. Pourquoi vous me regardez, bordel? J'ai atterri dans un coffre de voiture et tu vois que c'est... Voilà, ah non mais tu dirais limite. Quoi là? Pourquoi? Tu sais quoi? Pourquoi tout le monde me regarde? Devant une vitre, dans un zoo, en train de regarder un animal domestique. Waouh, ah ouais, ça me compare à un animal. Waouh. C'est une belle punition en vrai. Waouh, bon. Tu sais que je le prends mal, hein. Vraiment, je le prends mal, hein. Je le prends mal, hein. Vas-y, c'est tout. Vas-y, c'est tout. Non, vas-y, c'est tout, tranquille. Je le prends mal. Allez, bon, je rentre dans la cage avec lui. Voilà. La chose que je t'ai menotté. La chose que je t'ai menotté. Qu'est-ce que t'as foutu? J'ai pu. Qu'est-ce que t'as fait? Je crois que j'ai insulté des darons, hein. Mais en même temps, si t'insultes les darons, tu m'étonnes qu'elle t'ait menotté. Je crois que j'ai bu aussi. Oh non. Bon, ça y est, j'en peux plus de toi. Bon, bonne soirée, hein. Débourrant. Aide-moi. Tu veux jeter de quoi? Aide-moi. Tu veux jeter de menottes? Je peux pas, j'ai pas les clés. J'ai mal. Je te démenote, ça coûte 500 000 $. Vas-y, va te faire foutre. Va te faire foutre. Voilà. Je préfère manger de la merde ici, moi. Laisse-moi tranquille. Et 500 000 balles, ça vaut pas ou quoi? Voilà, je le dis carrément. Ça vaut pas ou quoi? 500 000 balles, encore heureux. C'est fou ou quoi?
J'ai faim. Ah putain, je pense que... Allez, j'ai faim. Ouais, vas-y, moi je veux. J'ai faim. Mais t'en as beaucoup qui vont pas respecter ça. J'ai faim. Oh, mais ouais, ouais, t'es cru dans un zoo, frérot. Bah, je peux pas manger, j'ai faim, bordel. J'ai faim. Mais en plus, c'est non, vrai. Non, si, j'ai faim. J'ai faim. C'est vrai qu'il peut pas. J'ai faim, bordel. Vous allez me tuer. Arrêtez. En fait, il teste pour qu'on le libère de tout à l'heure, en fait, c'est ça. Non, j'ai faim. J'ai faim, bordel, j'ai faim. Pourquoi t'es triste? C'était pute. Comment ça va être la vie de ma mère, toi et AD? La vie de ma mère, je parle pas à toi, connard, tu m'assumes. Je parle de mon père parce que j'ai essayé de te prendre en photo, mais c'est la prochaine fois. Profitez bien. Eh, ta gueule, tu veux que je te pisse dessus ou quoi? Attends que je suis démonté. T'as saigné ton arène moche, fils de pute, va. Attends que je suis démonté. Juste attends. Juste attends. Ouais, c'est ça. T'as tu fais rire, du coup j'arrive pas à siffler, bordel. Ah, pas bien, comment est-ce? Ah, comment tu vas, mon petit dégoût? Ça va, tranquille. Ah oh là là, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, putain, t'es d'accord? Eh oui. Bah écoute, moi ça va, alors que ça sera contre le bout, dis-moi. Ah putain, j'ai fait pas mal de choses, hein, maintenant il m'a le travail, tranquille là. Mais tiens, j'ai ton petit message, si tu voulais parler de quoi. C'est, voilà, je voulais te parler de quelque chose, voilà, les temps ont changé, tu vois, et... Bon, j'ai été recruté dans une entreprise, j'ai gagné pas mal d'argent, je me suis acheté deux véhicules qui, pour mon plaisir, mais il va falloir reprendre les affaires, si tu vois ce que je veux dire, papi. Ça fait que... Oui, c'est vrai. Ça fait que, voilà, tu sais faire du business, hein, papi. Tu n'as pas perdu la main avec le temps. Non, je n'ai pas perdu la main sur ça, ne t'inquiète pas. C'est parfait, toi tu sais réfléchir, tu n'as pas perdu la tête. Non, ça va, je sais encore réfléchir pour mon âge, ne t'inquiète pas pour ça. Ok, c'est bien, on va pouvoir faire de grandes choses alors, papi. On va pouvoir faire de grandes choses. Bon, on va prendre le véhicule. Et ensuite, on va aller voir des amigos. Allez-y. Que les affaires commencent, papi. C'est pareil. Mais oui. Pierre Jolki. Léonard! Couleur, viens là! Léonard! Attends, ça prépare un plan baise là! Monte. Ça prépare un plan baise! Léonard, monte s'il te plaît. N'a pas le temps, allez, viens, mon petit jeune. C'est fermé, je crois. Non, c'est bon. Attends, on prend la paria, viens. Ah, mais tu vas faire fuir les meufs et les mecs là. On sent pas les coups des meufs. Je crois pour le rendez-vous psy maintenant c'est mort, hein. Bon, bref. Je vais demander de couper vos radios et de poser. Okay, hop. De poser vos téléphones dans la voiture, s'il vous plaît. Attends, je mets juste un message.
La famille Alvarez s'est éparpillée un peu partout dans le monde. Il est venu ici normalement avec mon frère Raoul et Paulina. Sauf que je ne sais pas si vous êtes au courant. Voilà. Raoul, il est enterré derrière là-bas. Oui, j'étais venu. Ouais. Voilà. Donc ça s'est fait que les problèmes, les affaires se sont compliquées. On va dire ça comme ça. Ça fait que je suis seul maintenant. Avec mon ami Gopapi. Et on prévoit de faire des affaires. Donc, ça fait une simple maintenant que je vous ai dit qui j'étais réellement et que je prépare quelque chose, je prépare de faire des affaires pour qu'on soit tous gagnants et gagner de l'argent très facilement. Il faut que vous gagnez ma confiance tout simplement. Même si je vous connais déjà assez grâce à Obama. Faudrait que, voilà, là on parle pas de Bahama, on parle des affaires sérieuses. Voilà, là on parle du zéro. On parle de trafic de drogue, de meurtre, d'attentats, des choses sérieuses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je vous ai contacté, parce que, comment vous dire, je vois que vous êtes des personnes, voilà, comme tu m'as expliqué, Léonard, tu cherchais un contact pour des armes. Vincent, tu m'as dit que tu trafiquais un peu. Moi, je cherche des mecs qui réfléchissent, tu vois. Qui sont pas des mecs discrets, tu vois. Qui, en public, ils parlent avec tout le monde, ils sont tranquilles. Mais ils font la différence entre vie professionnelle, entre guillemets, affaires, et vie civile, Bahama, travail, etc. Tu vois. Ça veut dire que faut qu'on soit totalement discret sur ce qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Probablement, je vais vous demander, ça va être un truc direct, hein, ça va être simple. Vous êtes partant, vous, non? Oui ou non? Moi, personnellement, je t'avouerai que tous les points ne m'attirent pas, mais c'est sûr et certain, il y a des points qui m'attirent. Par exemple, tout ce qui est attentat-meurtre, j'avouerais que ça, j'essaye au plus possible de ne pas en être proche ou lié. Mais tout ce qui est pour blanchiment, drogue, business de genre braquer des gens, etc., ça n'y a aucun problème pour moi. Ok. Quand je dis meurtre et attentat, je dis dans le sens, quand je parle d'attentat, c'est... on risque d'avoir sûrement des problèmes avec la justice. C'est normal parce qu'on fait du business, on est dans l'illégal. C'est normal qu'on ait des problèmes avec la justice. Et pour faire passer des messages... direct au gouvernement. Ça veut dire qu'aucun nom ne s'assortit. Hein. Nous, on sera dans l'ombre, on sera invisible aux yeux de la population, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, quand je dis attentat, c'est par exemple des voitures piégées, par exemple. Si le gouvernement n'écoute pas ce qu'on dit, n'écoute pas nos revendications, on place une voiture piégée à un endroit stratégique, on la fait péter. Et ceux qui n'ont pas de chance, bah, malheureusement, ils meurent. Et comme ça, c'est comme ça qu'on fait passer des... C'est comme ça qu'on fonctionnait au Mexique. C'est comme ça qu'on a fonctionné avec le cartel de Medellin, le cartel de Pablo Escobar. Quand on était en guerre contre lui, on a dû faire exploser son bâtiment. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je ne sais pas si vous avez un peu suivi l'histoire. Donc, c'est comme ça qu'on a un peu fonctionné. On a toujours fait ça dans la violence, on n'hésite pas. C'est-à-dire que si on a une cible et qu'on doit la battre, au lieu d'aller à 42, on met deux personnes sur une moto, un conducteur et un tireur, et le conducteur passe juste à côté de la voiture de la cible et le passager de la moto rafale, tout simplement. On évite de... Quand on essaie de faire un meurtre ou d'éliminer quelqu'un, on fait ça subtilement. On va pas envoyer 30 personnes pour fumer un mec, on va envoyer 3-4 maximum. Ils font le travail et après que le travail est fait, ils prennent leur argent et ils disparaissent, tout simplement. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Pour moi, tout le monde a un prix, il suffit de savoir lequel, tout simplement. Je peux juste rajouter un point, moi, de mon côté, si tu continues après. Moi, il faudra que je te reparle, parce que moi, si je te suis, hein, il n'y a pas de raison que je te suive pas, mais si je te suis, je veux qu'il y ait mon petit frère avec aussi. C'est bien sûr, il n'y a pas de problème. De toute façon, si vous avez des personnes de confiance. Parce que là on est deux, toi. Donc ça veut dire que papy, c'est mon bras droit, toi. Vous serez les personnes les plus haut gradées. Parce que si vous êtes les personnes
les premières personnes, les fondateurs entre guillemets de l'entreprise qu'on est actuellement en train de créer. Quand je dis entreprise, ben oui, il est légal. Voilà. Tu vois, ça par contre ça m'intéresse dans le sens où tu vois, si par exemple t'as besoin de deux, comme nous on va être deux branches, ah, ben là dans ce sens là moi tu vois ta branche de drogue, je chaud de la gérer, et si lui bon, il gère ça de son côté, la branche meurtre attentat, tu vois, ouais, ça peut se diviser. Ouais, donc du coup je disais les affaires peuvent être divisées pour plaire à tout le monde, dans le sens où chacun trouve son parti. Alors, par exemple, si toi t'as besoin d'un homme qui gère ton côté drogue, ben, tu peux compter sur moi. Mais vu que forcément le côté attentat, meurtre, attaque, etc., c'est pas mon domaine. Enfin, si, dans un sens c'est mon domaine, mais pas dans le sens où c'est ce que je voudrais faire pour pas trop avoir de risques. Ben, tu vois, t'as un deuxième homme juste à ma gauche qui, lui, par contre, n'a aucun problème là-dessus. Tu vois. Si, c'est bien. J'avais un peu la même idée, c'est-à-dire que donc une personne gère tout dans son entièreté, toi. Donc, voilà. Je serai pas tout seul. J'aurai un bras droit et ensuite des petites filières, partie drogue avec qui il y aura un chef, avec qui il y aura un chef avec pourquoi pas 3, 4, 5 personnes sous toi, 4 personnes qui contrôlent toi à ses ordres, comme ça lui il pourra gérer, pardon, un chef avec 5 personnes sous ses ordres, donc voilà, qui pourra gérer la partie légale, on va dire ça comme ça. 5 autres personnes pour gérer la partie, voilà, plus règlement de compte, comme tu m'avais expliqué. Mais c'est, ouais, je vois. C'est une bonne idée, pourquoi pas, on pourrait voir ça. De toute façon, voilà. Mais ce genre de projet se met pas en place en claquant des doigts. Du jour au lendemain. Voilà, c'est ça. Il faut du temps, histoire de trouver, comment vous dire, de trouver les bonnes personnes. Personnes de confiance avec qui on peut faire affaire sur le long terme. Exactement. Et puis que tout le monde gagne son gagne-pain, tout simplement, gagne son argent, ça part du marché. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Donc après, on va pouvoir voir ça en fonction des bénéfices qu'on gagne. Bah, chacun prendra sa part. Hein. C'est quelque chose de normal dans le business. Et chacun a une part, chacun a sa paye, tout simplement. Et donc, sauf ça, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose de logique. Ok, ça donne pas mal. Bon, moi écoutez, je vous donne ma confiance. Par contre, vous dites bien qu'il faut pas la trahir. Ça veut dire que voilà, vous êtes pas des poucaves, vous parlez à personne, voilà. Voilà, de toute façon, vous savez tenir les langues. Je vais pas vous faire. De toute façon, dis-toi que la confiance que je donne à un ami est la même que je donne en business, donc. Ok, parfait. C'est bien alors, c'est bien. Dans ces cas-là, si on doute de quoi que ce soit, si on a un problème ou on...
juste à côté là. C'est là, regarde. Ah d'accord. Oula, bonjour. Bonjour, oula. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir à tous. Oula. Hello. Au revoir, viens. Oula là là là, c'est quoi tout ce monde? Bonsoir. Attendez, je te laisse passer. N'ayez pas peur. Oh, oh. Je présente la, la gérante du Bean Coffee du coup. Bonsoir, enchanté. De même, vous êtes? Je m'appelle Aurora Greco, je suis la gérante du Bean Coffee. Super. Hector Diaz, enchanté. J'aurais aimé savoir si vous avez des droits sur l'entreprise. Et sinon, est-ce qu'il est possible de me fixer un rendez-vous avec le patron ou la patronne? Quel type de droit, c'est-à-dire? C'est pourquoi? Un petit peu expliqué. De prendre des décisions un peu importantes, on va dire. Vous êtes gérante jusqu'à quel point? Gérante des employés ou gérante de l'entreprise? À l'heure actuelle, je mets beaucoup de choses en place dans l'entreprise, je fais un peu tout, mais après, je peux bien sûr vous mettre en contact avec le patron. Mm-hmm. Je pense que c'est ce qu'on va faire, ce sera même plus simple, comme ça, ça vous évite de faire intermédiaire et on passe directement à l'assaut. Je la vois par contre. Ok, ça marche. Ibo, tu prends contact et t'essayes de mettre en relation. Ibo, il est dehors. Rappelez-moi Ibo, là. Je cherche. Pardon. Pour faire simple, on est de grands investisseurs en ville et on travaille avec tous les bars actuellement de Los Santos, enfin du sud de Los Santos. Mm-hmm. Et il manque actuellement que ce café. Et il nous intéresse honnêtement pas mal. Il y a pas mal de choses... à se mettre sous la dent avec nous. Ok. Bah écoutez, je vais prendre contact et puis je vais faire passer le mot au patron. Très bien. Bonsoir. Mais du coup, je vais lui dire et puis dès que j'ai sa réponse, je vous recontacte. Enfin, vous me contactez, vous m'envoyez un message ou pas? De toute façon, tu m'as contacté qu'au patron de la pizzeria, donc si jamais tu peux me mentionner là-bas. Ok, ça marche. Ah oui, ok, c'est toi. Ok, ça marche. Bah, il n'y a pas de souci, je vais faire ça dès que je le vois. Je ne sais pas s'il a envie ou pas. Mais je vais faire ça plus vite. Il n'y a pas de souci. Oui, ça marche. Très bien. Il me faut une réponse avant demain soir, si possible. Ok, il n'y a pas de souci. Je m'en charge. Ouais. Parfait. Bonne soirée à vous, messieurs, dames. Merci. Bonne soirée à vous. À bientôt. Bonne soirée. Ciao. Une bonne soirée. Bonne soirée. Les beaux, il y a ma dîme. Bonne soirée, les amis. Viens voir Vincent. Ouais. Papy, viens voir aussi. Dis-moi. Non. Apprends-moi que t'es quelqu'un. Clairement pas. Vraiment. Clairement pas. Niveau architecture, oui. Viens voir Léonard aussi. Eh bah ouais, viens. Viens voir le mec tout derrière. Ok, c'est bon. Je voulais juste. Voilà. T'as capté. Tu sais, t'as capté ce que je voulais faire. Je pouvais faire ça toute la nuit. Ouais. Non, mais c'est parce qu'elle va lui suivre. Il fait quoi, Léonard? Bordel, Léonard, viens ici de site. C'est je vais énerver. Oh, Léonard, viens. Attends, moi je suis chuté. Oh là là là. Ouah, mec. Viens, papy. On n'a pas le temps là. On n'a pas le temps de parler de ça. Ouais, on a de la coque en stock là. Oh, waouh! Wow. Pas mal. Ah, mais c'est Mencia et Mia ou je sais pas quoi. Meuf, en mode de ouais, je pense qu'elle est. Salif, les gars, s'il vous plaît. Dans les bureaux, seigneur. Ça se fait pas. Dans les bureaux, je l'attends ici ou j'y vais? Vous pouvez, on va passer un appel, vous pouvez attendre devant la porte qui est actuellement là-bas. Là. Ok. Fais passer le message à radio qu'il y a. Un des collègues de Salif qui est... Ah ouais. Il y a encore des collègues du Galaxy Club devant vos portes, il faut venir leur ouvrir. Comment? Vous pouvez mettre un masque s'il vous plaît? Ah oui, pas de souci. Merci. Ah là, perfecto, está bien. Ok. Il t'arrive quoi toi? Alors du coup, on fait quoi? Casse-toi, wesh. La porte qui est là-bas. Arrête de niquer ma truc. Droite, vous pouvez pas me faire rire, c'est impossible. Merci. Oui. Ah, mais donc moi j'ai pas rigolé, hein, en fait que c'est... Arrête. Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, bordel? Calme-toi. Je respire, pardon, je respire. Bon, non, tu respires pas, là. T'es en train de mater là. Arrête, arrête-toi. Arrête ou je vais Poucave. Arrête ou je vais Poucave. Ok, c'est bon, pardon. Il transpire carrément, il transpire. Issu. Arrête, vous abusez. Oui, papy. D'accord. Arrêtez-vous. Oh, le bol qui chante. Arrêtez ça. Ça va ou quoi? Oh, j'ai mon collègue, il transpire beaucoup, je crois qu'il aimerait vous dire un mot en vrai, hein, parce que là, lequel lui là, avec son costard. Celui qui respire là, le procureur là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il est tombé. Bah bonsoir, on s'est déjà vu tout à l'heure. Depuis que vous êtes écarté, oui, il fait ce bruit là. C'est... Ah. Mathias, ça. Enfin, Mathias, pas Mathias. Ah. Je crois qu'il a... Après lui. Je crois qu'il s'est calmé, c'est bon. Je crois qu'il s'est calmé. Ça va, vous allez bien? Ah oui, ça va et toi? Bah tranquille, Sartek. T'abuses, t'aurais pu faire un effort. Sartek, il a du Sartek. Il a du Sartek. T'aurais pu faire un effort. Tranquille, Sartek. Bah oui, mais je me suis là-bas. Bon, signor, signorita, signor, va pas vous déranger. Je vous laisse suivre. Moi, je me supporte plus. Ma collègue qui est là-bas. Type Sartek. Elle va vous ramener à votre amigo. Merci, merci. Oui. Mec, t'as du Sartek. J'aime beaucoup votre. Tu veux que je dise quoi? Bah, venez, venez, bande de fous, va, venez, venez. Je perds mes moyens, je perds mes moyens, j'en peux plus. Mais, je perds mes tu perds tes moyens, pourquoi tu deviens rebut quand tu perds? On a de la cocaïne en stock si vous voulez. Alors moi je tape pas dedans, moi. Non, mais pour argent. Ouais. Argent. Mais moi, je prenais aucun point pour l'instant. Non, mais. On a des contacts. Je crois que j'ai déjà entendu, faut vendre à des pélos là, mais je sais pas comment faut faire. Elle est déjà traitée la tienne. En fait, nous on a des contacts. Qu'on pourrait vous trouver facilement. Le truc, c'est qu'on a déjà en stock. Si vous voulez faire un peu d'argent, vous le dites. Et puis en attendant qu'on trouve les tuyaux et tout le bordel. C'est ça. Ok. D'accord. Bah, moi, j'ai de la weed. Il faudra que j'achète un entrepôt pour pouvoir stocker tout ça. Ouais. Ce qu'on a besoin. Faudra que, faut que je charbonne aussi pour atteindre les 1 million et ensuite acheter une villa pour qu'on se pose et qu'on fasse les réunions directement. Mais. Moi j'avais un gars pour un Tech 9, mais ses plans ont changé donc. J'ai donné, je sais pas à qui. Ah ouais, je sais pas. Pourquoi vous vous cachez là? On n'est pas cachés. Bah, c'est comme dans un couloir. Bon, on n'est pas cachés, arrête de. Ah ouais, je crois que t'es exagéré là. C'est pas normal, hein. On n'est pas cachés. Ouais, madame avec ses règles, parce que. Mais. Oh, ce que ça a dit. Franchement. Ce que ça a dit. Franchement, ce que ça a dit, j'aurais pas aimé. Là qu'il est. Attends, t'as mes capotes? Les frites, je vais les faire bouffer, moi. Oh ouais. Mais prends un collier, connard. Les capotes, on mettait un collier. Ah oui, voilà. Le mec, il m'a acheté un préservatif rose, quoi. Putain. Je vais pas aller loin, mec. Attends, on veut la boîte, nous, on veut la Durex. Sinon, j'utilise pas, hein, tant pis. Hein. Celle à 2,60€. Il s'y connaît pas, par ouais, ça va, ouais, capote goobit, hein, c'est bon. Alors, il y a GoFraise, GoPom et GoBit. C'est plus à la ref. Mais qu'est-ce que vous racontez, le meilleur, c'est Star Wars. C'est GoobIt, le goût de ma bite. C'est GoobIt, 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 GoobIt. Ah voilà, on a réussi à la faire partir. Du coup, par la cocaïne, c'est le mec. Du coup, ouais, j'aurais pourri. J'aurais peut-être un contact pour les armées. Pour les armes, j'ai aussi, mais c'est des petits, c'est des types. Ah non, moi, quand je te dis, t'inquiète. Du coup, le maximum que je pourrais trouver, c'est. 80 000. Si, et. Tech 9 usé, tu vois. Après, plus gros, ça, c'est une autre personne. Moi j'ai quelqu'un pour Tech 9, il faut que je force. Ok, ok, très bien. Ok, c'est bien. Allez, c'est bien. Ubu? Ubu? Ah, celui qui fait ça, je vais lui mettre des punchs. C'est Vincent, il abuse, c'est grave. Putain, il casse les couilles. Bah, je suis dans le coffre, qu'est-ce que tu m'entends? Eh, gros fiac! Tu me recrutes ou pas? Ubu? Catwoman. Tu me recrutes ou pas? Tu nous recrutes? Vous? Tant que t'es serviteur. Non, loin de là, loin de là. Non, papy Obama et... Ouais, Obama, quoi. Tu veux faire quoi, papy?
sais rien, moi. Ça dépend ce que vous avez à proposer aussi. Ouais, limite, pourquoi pas un barman, ouais. Ça peut être pas mal, ouais. Un dentier. Ok. Faut que j'en discute avec le patron. Tu me tiens au courant? Ouais. Et moi, vas-y, qu'est-ce que je pourrais faire, barman, ça? Mais quoi, runner, c'est animateur. Runner, ouais bah... Non, runner, je peux pas, l'unicorn, c'est un jeu portable. Bah ouais, mais le truc, c'est que, ouais, si je fais runner, vous me voyez pas, hein. Je cherche à vous runner. Ou très peu, en tout cas. Bah si. Tu vas venir pour soi? Pas tout le temps. Tu dis plus rien. Tu vas pas venir me voir. Jaloux Manissa, c'est ça? Si, mais je serais plus en train de travailler en tant que runner que... Tu vas pas lui faire des petits bijoux, non mais alors. Si, mais si, mais si. Tu fais pas de bêtises par contre. Hein. Tu veux que je fasse quoi par René? Je te fais confiance, hein, tu fais pas de conneries. C'est moi qui ai été recruté, hein, donc si tu fais de la merde, c'est moi qui est dans la merde. Hein. Gros, j'ai 8 ans cette connasse. Fous la haine. Exactement. Bah, à vrai dire, tous les deux, on est des gamins. C'est vrai. C'est vrai que j'aime bien rigoler, c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'on peut faire des conneries, mais bon. Tu vois, déjà, tu casses les oreilles quand tu cries. Mais je crie pas, je parle normal, ferme ta gueule. Bah oui. Je casse les couilles. Non, tu parles pas normal. Bah si, je parle normal. C'est recruté, c'est bon. J'ai demandé à Edith de faire ta compta. Parfait. Allez, au travail, là. Il me parle en couille. Va me chercher une bière. Va me chercher une binouze. Bienvenue, fils de pute. T'encule. Comment ça, tu veux que je te vire? Bah vire-moi, on me les couilles. Comment c'est pas, hein. Eh, c'est quoi les sacs là? T'es les sacs, je te dis quoi? Je le dis bien vu, fils de pute, il me dit je t'encule. Mais c'est quoi, oui, les... j'ai entendu. Oh, je te suis la bite là. Ah oui, ouais. Oh, c'est violent là. Ah, ah quoi? Je suis jalouse. Eh, quoi, c'est toi aussi, tu veux que je te suce la bite? Nique ta mère, toi. Eh, c'est quoi les... comment ça s'appelle? Les sacs, là. Tu sais, comme... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis une personne intime de confiance? John, s'il te plaît, nous vous parlez, viens, moi, s'il te plaît. Je rigole, mais... ça va, j'étais... Arrête. Et Kitiké, c'est 1005. Du coup, j'étais bénéf de 3000. Pourquoi tu breaks? Arrête de breaker, petite salope, bon. C'est excellent ce qu'il vient de faire. Mais c'est... Tam termin. Oula. Il est où, Léo? Oui, prenez du feu, prenez du feu. Quoi, caca. Oh putain de merde. Je sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai trouvé un truc, genre en mode je discute. Tu vois, mais moi je sais même pas où tu les vois, ça. Tu les vois où? Tu les vois où? Faut que tu le fouettes. Moi aussi je vais faire ça. Bon, je vais faire ça. À une main. Ouf. Ouf. Oh. Ouais, carrément, je suis un alcoolique. Elle m'a mis une petite manière à me roser là. Arrête, fils de pute, nique ta mère. Viens là, t'es mort! T'es mort, je t'ai dit! Yoro! Oh, tricheur, il se réfugie en zone. Mais commence pas à abuser par contre, commence pas à abuser. C'est bon, ça va. Commence pas à abuser, ça va te signaler, toi. Commence pas à abuser, ça va te signaler, fils de pute. Vraiment, je rigole pas. Ta gueule, pourquoi t'es venu frapper, fils de pute? Comment ça? Il dit que ta mère, t'as cru que t'as baisé, toi, t'as cru que j'allais te baiser. J'ai ma GoPro, oublie pas.
Oublie pas, j'ai ma GoPro. Ouais, j'ai ma GoPro, vas-y. Vas-y. Tu veux une GoPro parce que je vais te cacher. Je vais. Vas-y, vas-y. Vas-y, fais-le. Essaye. Laisse-moi rentrer au garage. Ah, tentative, ok, vas-y, c'est hop, c'est enregistré. J'ai rien fait. Non, allez hop, en plus je prends toi. Aïe, 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 carré. Hop, allez hop, je prends ta carte. Hop, pour le voir. Voilà, tu es extrait, meurs, voilà j'ai pris ta carte, j'ai pris ta carte. C'est tout, j'ai pris ta carte, c'est tout. Oh, je peux conduire ta voiture, s'il te plaît. J'essaye. Il faudrait descendre. Vas-y, descends. Moi aussi, je veux conduire. Ta gueule, toi. Oh, non, mais non, mais laisse-le. Arrête. Non, t'es pas le fils de pute. Vraiment, Diego. Eh, il est, je sais pas, il est 3h du matin, frère. Si. Tu me. Voilà, je voulais juste tester. C'est bon, j'ai testé, mon. Ta mère. Nique tes ancêtres, fils de pute, tes ancêtres, t'es mort, ta grand-mère, la pute, fils de pute, j'ai débité, qui débite sur le bit. T'as vu? Le mec, il part en couille. Tu débites sur des bits. Non, sur le bit. Non, tu vas me dire que je débite sur une bite. Ah, ça peut être sur Gulli aussi, fils de pute, moi. Eh, vous connaissez la blague du panou-panou? Oui. Non. Ah ouais? C'est les indigènes avec des blancs qui disent panou-panou. Oh là là. Ah non, c'est pas ça. On n'a pas la même. Parce qu'à chaque fois qu'il tirait, je sais pas quoi, il disait pas nous, je sais pas quoi. Oui. Ça pue sa merde, ta gueule. Je sais pas où, mais ça y est. C'est la plage, oh, c'est simple. Oh, je lui ai mis une pâtée, Léo. Je t'ai vu, c'est une oh, oh les histoires, y'a les gars. Ah non, je la voyais pas, je l'avais pas. Dans ma tête, c'était pas pareil. Y'a les bandits de la cahier, bordel. Je te jure, dans ma tête, c'est pas pareil. Putain, désolé mon ref. Un peu bloqué. Pardon. Ah non, mais tu peux pas bloquer. Attends, mais ça c'est ton pote. Non, viens, viens, va pousser. Vas-y, venez. On pousse. Attends. Quoi ? Vas-y. Vas-y, c'est bon. Parfait, vous êtes des bons, vous êtes des cracks. Vas-y, beau gars. Non, putain, c'est quoi ce véhicule de merde ? Elle est foulée, cette Buffalo. Attends. Vas-y. Vas-y, pousse sur le côté. Vas-y, attends. Je peux pas, wesh. Attends, faut qu'il y ait un autre véhicule, il pousse. Pousse sur le côté, fils de pute, là. Ah, voilà, c'est bon. T'es fort. Tiens, bon, mon frère. Vas-y, force à vous, les gars. Oh, y'a la carte, vas-y, barre-toi, vite, stress. Caval. Mais attends, y'a un contre-sens là devant moi. Vas-y, j'arrête, j'ai une arme sur moi. Monsieur l'agent, il est en contre-sens. Il s'en bat les couilles, t'as bien. Alors, je vais l'enculer, Loï. Il s'en bat les couilles. Mais là, viens là. Eh, on emboucane le flic, on emboucane. Arrête-toi, ça braquage! Arrête-toi! Eh non, je vais pas me faire arrêter! Arrête-toi, ça braquage, je te dis, arrête-toi! On va tous se faire fouiller! Arrête-toi, là, ça braquage! Arrêtez! Ça braquage! Ouais? Non, je vais manger du pain au chaud! Bonsoir! Vas-y, circule! Bah pourquoi? Ouais, d'accord! Donne-moi une bonne raison! Y'a quoi? Y'a quoi? Je suis à l'autre, à la droite! On est là, bah y'a quoi? Tu vas faire quoi? Je te casse ta bouche, quoi! Eh, j'en ai marre de vous! Cassez les couilles! On est sur la route, voilà. J'avais envie. Mais tu vas où? Il est fou, lui. Mais tu vas où? Tu vas sur le parking. Là, regardez, arrête. Où tu vas? Ah, regarde, là, ici, c'est bien, là. Non. Ah, vous voulez la plage, ok. Là, c'est là où j'ai mis le point, il y a un point pour que tu casses les couilles. Ils avaient sauté en face. Avec la police! Va à droite. Mais fils de pute, il l'a fait exprès. Nique-le, encule-le. Je te jure, je l'emboucane. Lui, on va se le faire. Encule-le. Lui, on se le fait. Il l'a fait exprès. On se le fait. Deux ensemble, c'est la dernière. Encule-le. Oh putain, c'est quoi là? Encule-le, je te dis. Eh, j'ai mal de partout, frère. On fait que faire des accidents, j'ai mal, je souffre. C'est bon. Non, il se bloque. Laisse-moi conduire, s'il te plaît. Descends. Arrête de me stresser. Laissez-moi reprendre le contrôle de moi. En plus, il y a un point de drogue ici. Casse-toi. Il est cagoulé, lui. Mais casse-toi. C'est quoi? Attends, il est cagoulé, il vient de laisser cette voiture. Mais casse-toi, putain, il est armé. Ils sont pas. Il y a pas que lui. Casse-toi. Et c'est un malade, mais il est complètement fou dans sa tête. Mais oui, tu vois pas que c'est un point de drogue, tu vois pas, y'a des gens. Laisse-moi conduire. C'est quoi, c'est quelle drogue, ici? On sait pas, ça part les couilles. Juste barre-toi. Va à la plage. Oh là là, on va sortir ici. Barre-toi vite. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as percuté, mec. Qui? Quoi? Non, je peux. Il a démonté. Oh
enculé, gros. J'ai pas vu. Ah, mais parfois, dis si c'est bon, c'est trop tard à la place. Ça y est, c'est fini. Je regardais mon téléphone. Je regardais mon téléphone. C'est bon, Barto. Obamas. Non, Little Seoul. Pacific Bluff. Essayez, vous avez cassé la tête. Il est fermé. Mais pourquoi vous allez dormir, vraiment? Mais je sais pas, c'est des petites natures, ils me cassent les couilles. Parce que frère, on mais c'est même pas ça, c'est que vous restez là, vous vous foutez la merde. Mais de pas, je vois la plage, se poser tranquille, c'est bon, vous partez faire n'importe quoi. Allez, on va se poser, allez, on va se poser. Non, tu m'as dit pas la plage pacifique. Ah, nique ta mère, nique. Va, Bahamas. Non, on va se poser, vraiment, j'arrête. Regarde, vas-y, non, sérieux, venez, on va se poser tranquille. J'arrête la D, c'est bon, j'arrête la D. Allez, donne un point et j'arrête la D, on y va correct. Vas-y. Mais tu vas au bureau, c'est bon. Non, oh, c'est la merde, ça pue sa grand-mère. Mais dis comme toi. Je vais mettre un point, on va se poser tranquille. Ouais, le genre là. Allez, tes points de merde à 3 km. Bah, je vite, t'inquiète. Ouais, mais c'est un point tranquille, c'est un point. Ça m'a terminé, frère. Voilà. Elle est où, Emma? Les autres sont sur un caillou. Et où? Quoi, comment ça, ils sont sur un caillou? Comment ça, sur un caillou? Elle est où, Emma? Regardez. Oh, j'ai pété ma tête. Non, il est introuvable nulle part. Même en commande. Ça va ou quoi? Il n'existe plus. Ça va ou quoi, D? Ouais, je m'en vais. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? On est là. Ça va. Et j'ai rajouté Midi dans la conversation. Ouais, j'ai vu. Mais il faudrait peut-être supprimer l'autre, du coup, non? C'est ce que j'ai fait. Ah, ok. Ça m'exclut comme ça. Jury et Léonard. Bon quoi, Léonard? Wesh, c'est quoi, ça regarde derrière toi? Wesh. Non, bah si, j'ai des grosses couilles. Non, nique ta mère. Non, tu sais, j'ai des grosses couilles, je vais voir ce qu'ils ont. Non, il faut pas rentrer, ils vont foutre le bordel. Mec, t'ouvres, ils rentrent tous. Bah oui, ils rentrent tous. Attends. Ose ouvrir, on te vire. Je te jure, j'ouvre, j'ai des grosses couilles, hein. Non, nique ta race. Ouvre pas, ils vont tous rentrer. Et ils sont en train de forcer en plus. Bah, tu ouvres pas, faut surtout pas ouvrir là, c'est la catastrophe. Mais les gars, je sais pourquoi ils sont là. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que ils savent que j'ai un Tech Knight. Oh, mais non, mais t'es sérieux? Viens ici. Enfin, ils savent que j'ai un Tech Knight. En fait, je parlais d'un Tech Knight avec quelqu'un, et du coup, ils en ont supposé que j'en ai un. Mais non, mais ouais, mais là, c'est pas grave. Mais j'en ai pas. Donc ils sont là pour rien, j'en ai pas. En fait, je connais quelqu'un qui en a un et qui devait potentiellement me le donner. Fais gaffe à qui tu parles, c'est... Mais en fait, je parlais pas à eux, c'est eux qui ont entendu la conversation. Ils étaient 40 là, hein. Ouais, mais parlez de rien, parlez pas de trucs comme ça, les gars. Ah, moi je parle pas, moi. Oui, ok. Ouais, mais là, j'espère que tu vas pas te faire soulever, hein, parce que... Ouais, ils peuvent, j'en ai pas. Ah, mec, ils vont te soulever, là, vu le nombre. Ils peuvent, j'en ai pas, de toute manière. Ah oui, t'en as plus. Ouais, je devais en avoir un, je me suis fait niquer. Du coup, ils vont croire que tu l'as menti, ils vont t'enculer. Bah, et alors? Là, du coup, si par contre, s'ils viennent être niqués, là, ça propose problématique et on va devoir monter les armes. Rip Lolo, hein. Ah, moi, c'est mort. Ouais, les armes, moi aussi, je suis. Ouais, vas-y, moi aussi, je vais sortir les armes. Quel méga là qui se fait choper, hein, c'est mort. Comment ça? Ouais, bah, moi, je suis pas ton. Comment... Ok, vas-y, ouais. Mon pote. Ouais. Quand tu dis méga. Ta gueule, laisse tomber. C'est quoi cette histoire là? Ah ouais, j'étais chaud d'ouvrir pour voir, mais j'ai pas le temps. En fait, j'avais pas le temps. Franchement, s'ils me prenaient, j'avais pas le temps. Vraiment pas. Quoi, ils ont cassé la vie de ma voiture? Putain, t'es vif! J'en ai sorti! Non, c'est mort! Il y a un can méga, il se fait péter, c'est mort! De toute façon, j'ai pas le temps, j'avais pas le temps de sortir et. Ouais, bah justement, encore une raison de plus pour pas le faire péter! J'étais chaud là! Attends, elle est là ou pas? T'es là? T'es là, je sais rien moi! Emma, je sais même pas si elle est là! Non, mais est-ce qu'elle vient venir ou pas? J'en sais rien! Emma, je sais même pas si elle est là! Je sais même pas. C'est. Bref! Ouais! Il a enculé ta voiture en fait. Ouais, il a niqué ta voiture. Ah, c'est Logan. Logan, nique tu
Logan, je vais. Oh, t'inquiète ta mère, Logan. Ma voiture, ma voiture. Enculé. Ça va quoi, Logan? Bien, tranquille. Logan, Logan. Qu'est-ce qu'il y a, Diego? Ah, c'est bon, il m'a reconnu. Bref, moi je vais manger. Vas-y, bon app. T'as pas le costume sur toi? Ah, voilà. Non, je l'ai pas, je l'ai pas. Il fait quoi, Logan? Je fais l'enculé. Eh, tu vas. Eh. Ah, putain. Non, j'avais la même. Presque la même tenue, mais sauf que c'est pas le même bas. Eh, ça veut que c'était arrivé. Ah, toi, truc là. Vas-y, moi j'y vais. C'est bon, je suis là, désolé. Ouais, Logan. Du coup, c'est quoi votre déguisement? Oui, oui, t'inquiète, promis. Logan, je te parle. Bon, les gars, je vous laisse du coup. Oui, qu'est-ce qu'il y a du coup? Une bonne. Jigo, là, je suis venu pour organiser un événement. Oui, bah, je suis au courant, connard. Qu'est-ce qu'il y a, Jigo? Au courant ton événement, je travaille ici, je te rappelle, je travaille au Bahamas. Mais un masque, parce que c'est pas grave, écoute. Ouais, c'est comment pour ton projet là? Ah, ça faut que je fasse le dossier, hein, faut que je fasse le dossier. Ouais. Je pense que c'est bon, ça risque d'avancer. Mais du coup, c'est toujours à deux ou tu t'attends avec quelqu'un d'autre? Ah, non, si tu veux, on peut le faire ensemble, y'a pas de problème. Bah, moi je t'ai dit par le téléphone, j'étais chaud et tout. Tu me dis ton projet. Je te rajouterai, c'est bon. J'allais roter pour te répondre. Ah, ouais, carrément, t'as roté la gueule. Ah, quel génie! Ah, ouais, là on est bombardé d'appels, hein! Que maintenant j'ai des contacts de baiser, hein! Mais tu crois que moi j'ai rien, moi? T'inquiète pas, gros! Non, j'ai rien! Ça a baisé, les... Tu crois que je dors, moi, ou quoi? Non, je veux dire, pour faire déventer tout, frère, j'ai le gouvernement, j'ai la police, j'ai le responsable bah, de la franchement, de la vie dans mes contacts! Bah, t'es carré! Non, je suis fier de toi! Ok, trouve-moi un putain d'avocat en masterclass! Par contre, le gouvernement. Maître de fou! J'ai pas dit le cabinet d'avocat. C'est le gouvernement, bref, tu te débrouilles. Maître de fou, demande à John. Essaye de me trouver un putain d'avocat masterclass. Et t'as vu comment il est grave? Pour les affaires. Et si je t'écoute, ferme ta gueule, abuse pas. Bah, demande à John, maître de fou. À ce qui paraît, c'est un bon avocat. C'est John Ladis, pas moi. Mais John, lui, il est foncé du cul, lui. Vas-y, Logan, trouve-moi un bon avocat. Un avocat, ça sert à quoi en ville? Genre, ça peut te faire gagner des sous. Un avocat, ça sert à te défendre au cas où si t'as des problèmes avec la justice, ouais, frère. Ça peut te faire gagner des sous. Ça peut ne pas aller en prison. Mais ça, rien à foutre de pas aller en prison. Oh le bâtard. Qui va une semaine, deux semaines, basta. Et si tu vas en perpétuité, t'as un risque d'aller en perpétuité, t'inquiète pas, tu serais bien content d'avoir un avocat. Ah ouais. Et en fait, je vais prendre un avocat. Mais pourquoi tu as des sous avec la justice? Ah, ta gueule alors. Non, pas du tout. J'ai pas de quoi tu parles. Ils m'ont juste. Le gouvernement m'a juste arrêté parce que j'ai volé un camion, mais tranquille. Oh, c'est de la merde ça, c'est du vol de véhicule, ça pue sa mère, t'es un petit joueur. Non, mais écoute, quel type de véhicule que j'ai volé un véhicule militaire. Oh, ça a rien ça. Ça va, c'est vol de véhicule. Il fallait que tu sois, parce que moi j'ai gagné une arme 28, c'était pile avant que je rentre à l'argent. Mais frère, si je veux, j'en achète trois là. J'ai un Uzi si je veux, frère. Des frères. Tu vas tout rafale pour moi après? Si tu me payes, pourquoi pas? Si t'as des soucis et que tu veux qu'on règle des soucis, ouais, un petit billet, je te fais ça normal. Jamais gratuit, hein. Franchement, un grand. Mais frère, c'est moi qui prends des risques en fait. C'est moi qui prends des risques, hein. C'est moi qui vais avoir des soucis avec la justice, c'est moi qui vais avoir une enquête sur le dos, frère. Bien pendant sûr, toi, tu vas baiser une pute dans c'est ça, pendant que toi tu vas baiser, tu vas être tranquille, ton ennemi sera mort. Donc ouais, forcément, ouais, tu... Oui, j'ai fait un tirage au sort, j'ai gagné et je me suis fait un couteau. Bah ouais, mais faut plus faire des trucs comme ça. Oui, je sais, mets un masque. Ouais, mets un masque, dégueulasse. Ça, on dirait qu'il a pris 100 kilos d'un coup, ce fils de la pute. Bah ouais, on dirait que t'as mangé 150 McDo, quoi. Mais ma mère, il t'a donné quoi? Tu me donnes à moi les 15 masques. Hello. Voilà. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ah, c'est les nouvelles. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait des nouveaux employés, putain. Ouais, mais elle a une tenue pour ce soir, tu vois, clair. Moi, c'est Kata. Kata, sauté. Mais pourquoi tu me donnes des oreillers de femme, fils de pute? T'es vraiment dans le cul. T'as dit quoi, pardon? J'ai sauté, Diego Alvarez. Diego. C'est ça. Vous avez une tenue incroyable, mon Magi? Pour ce soir? Ouais, faites voir, je veux voir ça. Montre-moi ta tenue, Kata. Vous voulez voir ma tenue? Kataleya, c'est ça? Ouais, Kataleya. Kataleya, vas-y, montre-moi, je l'ai pas vu. Merci. Attends, viens ici.
Mais putain! Ta merde, c'est pas moi. Mais non, jure, incroyable! Elle a vraiment fait exprès, hein, c'est sûr. Incroyable, non, beau gosse. De quoi beau j'ai fait exprès? Je m'en fous bah, d'avoir fait une tenue aussi classe. Incroyable. Moi, j'ai pas de tenue, j'ai rien du tout, nique sa mère. Mais tu vois, tu sais comment Robocop. Robocop, nique ta mère. Ça a baisé lui. Merde, pourquoi je mets une casquette? Ouh, attends. Jure Catalia, mais non. Incroyable. Ah, M&M's, pourquoi tu fais pas DJ? Moi j'ai envie de faire DJ. Bah, demande à changer ton contrat. Comme là. Ok, je suis trop chaud. Ok, je suis trop chaud. Ok, je suis trop chaud. C'est déhanché là. Ok, je suis trop chaud. Ok, je suis trop chaud. Ok. Eh, moi je sais mieux danser, attends. Regardez où ma danse favorite? Non, ça c'est ma danse. Vole pas ma danse. Hey, moi c'est ma danse là que je fais là, bordel. Juste après la téno, j'ai terminé. Pas les couilles, ta danse, connard. Ouais, juste après la téno, bordel. Ok. Pourquoi je danse en pull, moi? Ok. Eh. Ah ouais, moi je suis derrière, je suis écarté et tout. Laissez-moi zouker là, vraiment. Laissez-moi zouker, il a dit. Ah gros, c'est quoi ta danse au trop d'art, bâtard? La mienne là? Ouais. Eh bah non, je sais pas. Allez, on va l'enculer, c'est ma danse à moi. Eh, si je la trouve, t'es mort, Diego. Vas-y, copie-moi, sale chien. Voilà. Ok. C'est la meilleure danse de Dos Santos, bordel, c'est vrai, la téno. Bordel, incroyable. Elle dit toi je suis debout, je suis en train de m'enlacer sa mère. Wouhou. Ok. Petit déhanché mec. Ok. Ok. Mais quoi, il a vraiment une danse d'enculé ce fils de pute. Il est à fond sa mère. Ah c'est enculé. Ok. Putain, ça se finit. Vas-y Robin, là, je suis trop chaud. Regarde comment on a ça. Mets-moi de la... du zouk. Je vais te zouker là! Mets-moi du zouker maintenant! S'il met du zouk, je vais faire quoi? Hein. Mais non! Y'a John! Mais non! Mais non! Mais non! Oh quoi, John, bien tranquille! Tranquille. Mais non, t'es là! Voilà! Elle, c'est une bonne. Elle a la même chose. Et Gustas, tout. Bah ouais, c'est ma soeur. Elle est bonne, hein. Eh, hey, toi. Il va t'enculer, toi. Il va t'enculer, toi. Toi, ça va te mêler à la fin de la tenue. La tenue est bonne, on a dit. Ah, moi, c'est celle-là. Je touche plus, là. C'est celle-là. La merde de Dos Santos. Je suis trop chaud. Il va faire des. Ah, ah. Ah, putain, c'est ma musique, désolé, mais là, faut que je coupe ma voix. Ah, là, c'est bien, là. Ok. Diego. Ok. Non, t'es pas synchro. Si, je me suis synchro. Non. Attends, merde. J'étais synchro. Attends. Pas synchro. C'est laquelle de danse? Attends, maintenant. Voilà. Allez. Ah. Ouf. Ok. Ok, je me lève. Let's go. Ok. Hey. Ah là là. Oh, on nique sa mère. Ouf. Ok. Ok. On est là. Allez, c'est bon, pas de réunion, okay. C'est bon. Wesh, ouais, Ok. T'es en train de faire un zouk, ce bâtard. Wesh, tu fais un zouk à ma soeur là, enculé. Ok. Eh, bah, mon gars, je suis trop chaud. Eh, bouge devant lui. Ouais, okay. Bah, voilà, merci, okay. Le boss qui l'a poussé. T'es vraiment un boss, M&M's. T'es né pour être un boss, M&M's. Il a poussé. Ah non. Ok. Mais si, moi, j'ai pas. Si, on va sur lui. Ok. Côté, hey, c'est elle qui s'est mis devant moi, j'ai rien demandé moi, depuis tout à l'heure je suis ici moi. Moi je suis tranquille, c'est elle qui s'est mis devant moi j'ai rien demandé. Ok. M&M's va faire enculer, va battre ses comptes ton fiac. Non, voilà, c'est bon, parfait. Voilà, incroyable. Parfait là. Mais toi, il est derrière moi, j'ai peur maintenant. Oh, c'est quoi ce bordel?
bordel. Ok. Hey. Hey. Putain, mais non. Putain. Il fait chier. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Moi aussi j'étais mon frère, t'inquiète même pas l'ensemble. Ouais. Mais moi il fait bien flipper, attends, t'es moi. C'est un nouveau ça. Ta gueule. Ah ouais, je suis trop chaud là, j'suis en train de zouker là, vraiment. T'es même pas en tenue quoi. Abusé. Diego, détends-toi s'il te plaît. Je suis bien détendu, patron, t'inquiète pas. Détends-toi. Ok, je vais commencer par plusieurs points. Et j'espère vraiment que je vais me faire entendre. Hein. Je rentends une histoire, peu importe, hein, je veux pas savoir les raisons ou je ne sais quoi, je m'en bats les couilles. Je rentends une histoire comme quoi qu'il y a un problème à droite ou à gauche et que le problème n'est pas réglé alors que c'est un truc à la con. Genre par exemple, le circuit de run où justement il y a un véhicule qui a été foncé dedans et derrière ça n'a pas pu se résoudre entre employés. Pour moi ça c'est des histoires de gamins, ça n'a rien à faire dans l'entreprise. Léonard, je te laisse t'avancer. Deuxième référent sécurité, félicitations. Félicitations. Bravo. Bravo mon frère. Bravo à toi pour ta promotion. Ouais, bravo, incroyable. Ouais. Tu ouais. Gueules pas comme ça toi. T'es peur là, à vous. C'est bon, tranquille. John, tu peux t'avancer. Oh là là. T'es viré. Deuxième, bravo, deuxième John, référent bravo. Barman, félicitations. Ouais, incroyable. Merci. Oh putain, voilà. Je suis trop content. Je reviens ou quoi là? Bravo. Mais amour, je suis rentré. Emma. Bordel. Incroyable. Où est-ce qu'elle est? Toi là, ton coin là, tu te caches. Non, putain. André, mais. Putain de merde. Hop, tu vas de votre cas là. Incroyable. Hop. Tu te barres hein, comme ça sans me prévenir. Hein. Arrive, réponds. T'es pas parti, reste là. Réponds.
Mingo. T'inquiète pas, on se revoit bientôt, hein. T'en fais pas, hermano. Bientôt se revoir. Je vais bientôt sortir de là, t'inquiète pas. Adi? Adi? Là tu dérapes du coup. C'est bon, la fille. Oh les histoires. Arrêtez de. Mais gros. Stop. Mais fais-le toi. Toi tu mérites. T'es du genre. Stop. Stop. Ta gueule toi. Va chez moi. Vas-y Emma, elle s'est barrée, je sais même pas où elle est allée. Là ma mère, je suis rentré à l'appart, il y avait plus personne. Là ma mère, je lui envoie des messages, je fais que l'appeler. Je crois qu'elle m'a quitté. Non, là, t'inquiète pas. Bref, t'as fini ou pas, t'es là? Attends-moi, collègue. Voilà. Oh, incroyable. Elle est trop belle, hein, moi j'aime bien. Gros, j'ai plus de nouvelles d'Emma. Dis-moi mon ref. Ouais, dis-moi. Ah, ok. Je me suis suicidé, je crois. Mais non. J'en ai marre. Arrête. Je me raconte, là. Ok. Bon. Du coup, je sais pas si j'ai mon service. Faut que... Je sais pas si je peux voir. Ça va, John, bien tranquille. Ça va, Faro. Ça va. C'est comment les affaires, là? Tranquille, hein. Tranquille. T'es dans... catégorie A, en même temps, hein. Ouais. Ça va quoi, t'es là bien tranquille? Ça va et toi Diego, tranquille ou quoi? Ça va, non ça va pas. Mais et Emma, elle est partie en vacances sans lui dire. Mais Aya. Du coup il est triste parce qu'elle est partie avec Laurie en plus. Ah ouais, ça se fait des vacances entre filles, ça invite même pas, vas-y. Bah ouais. Ouais, ils sont séparés sans me prévenir. C'est pour ça que je lui dis, mais Maria. En plus, elle m'a quitté moi aussi. Je lui dis, Maria, elle est pas partie. Non. Mais Maria, elle est encore là, donc même Maria, ils l'ont pas prise avec. Non, ils sont partis quatre, je crois qu'elle m'a trompé avec elle. Putain, je vais me suicider. Viens, on fait sa main dans la main. Vas-y. On va se mettre une balle à la tête. Mais vise bien, faut que ça traverse, t'as vu. T'inquiète. Vous allez mettre aucune balle dans la tête de personne là? Si j'en ai marre, je veux sauter d'un pont. Non? Elle a pris toutes ses affaires, elle est partie avec Laurie. Elle m'a abandonné. Si Laurie aurait pu le dire quand même. Elle m'a abandonné.
Mais non, elle t'a pas abandonné, elle va revenir. Je sais même pas ce qu'ils vont faire à deux, ça sera lui, je sais pas. Peut-être qu'elle était enceinte et qu'elle est partie avorter dans un autre pays parce qu'ici c'est pas légal et que les femmes ont avorté, moins de quoi droits que les armes. Hein, bonjour. What the fuck? Je me suis suicidé. Allô? Pourquoi avorter? Quoi? Ouais, je suis bah, c'est juste... Ouais, c'est juste pour dire que j'allais venir au Bahamas. Oui, mais tu sais qu'elle est enceinte. Toi, monsieur. Hein? Enfin, je sais pas, je... Comment ça avorter? C'est mort, elle avorte pas le bon bébé si c'est moi. Mon bébé. Mon bébé, bordel. Je sais pas ce que je vais faire. Pauvre Diego. T'as vu tout le monde m'abandonner. C'est j'étais là, Diego. Comme mon frère. On l'a abandonné, tel les lâches. Et là, on a le temps de me faire pareil. Je sèche tes larmes. Gracias. Benada. Bordel. C'est pas... Putain de merde. Ça va aller, Diego. Je sais pas comment je vais... Tout va bien se passer. Gracias, t'es là, ça fait plaisir. Benada. Ça va aller. Mais non, faut que tu fasses un câlin. Fais-moi un câlin, mon frère. Fais-moi un câlin. Vas-y, je sais pas le faire, moi. Fais-moi un câlin. Casse la tête. Merci, mon frère. Ça va aller. Bah, moi, je touche à tout. Vincent! Ouais. Ok, vas-y, je m'écarte. C'est quoi, s'il vous plaît? Attends, tes oreilles. Excuse-moi, pardon. Ouais, viens, prends une voiture et viens, on bouge. Ok, M&M, c'est la tenue de ce soir. On va quoi faire? Cavale, Kenny, cavale! Je me permets de rentrer, hein. Wow, la voiture! Attends, qui est la voiture? Oh, je suis mort. C'est celle d'Adé. Laisse-moi la tester, s'il te plaît. Faut que je la teste. Vas-y, vote, grimpe, hermano, grimpe. Oh putain. Oh, j'ai envie de faire un tata. Je regarde. Il est fou. Ok, let's go, we're fuck this shit. Ok, c'est parti. En vrai, elle est bien, elle dérape bien, elle est bien maniable. Et elle freine super bien, j'adore moi en vrai. Connard, bats-toi! Laisse-moi la route! Oh putain! Oh, pardon! Oh, c'est bon là, vous prenez des max et tout, vous croyez! Taisez-vous! Ah, pardon. Allô? Ouais. Désolé. Eh, bonjour! Vous allez bien? C'est on là, mais c'est. Bonjour, ça va, vous? Attends, mais comment tu t'appelles toi déjà? Putain, je sais pas, je m'appelle Mamadou. Mais non, comment ça marche là, la passe de. T'es venu au Bahamas, toi? Comment ça marche? Oh, pardon. Oh, pardon. Comment ça marche le passage de Bahamas? Bah, tu l'utilises, connard, bordel. Eh, connard, c'est ce que je fais, trou de balle, je peux pas. Tu utilises. Ah, bah ça, c'est qu'il y a problématique là. Mais comment je fais pour changer de cheveux? Ok, ça va mieux. Comment ça, changer de cheveux? Bah, bon, quoi faire? Mais non, mais connard, en gros, je mets la pince à cheveux, ça marche pas, ça me dit... En gros, oui, voilà, en gros, ses cheveux, ils peuvent avoir une... Mais soit un coup, d'ailleurs, t'as un cheveu, un petit cheveu. Bah oui, c'est pour ça, là, en gros, c'est merde. En gros, non, j'ai juste d'apprendre à mettre un pince à cheveux, en gros, j'essaye d'apprendre. Attends, mais putain, mais vous êtes venu au Bahamas, c'est pas longtemps. Ouais, mais apprenez-moi, je m'en fous du Bahamas, apprenez-moi. Bien, tranquille, je sais pas si vous reconnaissez. Ça va, et toi, ça va. Tranquille, ça va bien, c'est ta mère. C'est Roberto. C'est les agents là, les sécurité d'hier. Rappelez-vous, vous m'avez même donné un. Même tu lui as donné un petit billet pour rentrer. Ouais, je vois. C'est moi. Ouais, je vois. Je vous ai donné un petit truc, un sachet, un truc que Roberto il a. Mais comment, mais c'est pas sage faute de merde. Mais Roberto, tu fais quoi? T'as fini ta coupe ou pas? Mais oui, mais en gros, je veux juste mettre un petit cheveu comme ça. Roberto! Ok, c'est bon, monsieur. Roberto! Voilà. Ta tête elle est solide, Diego, dis-moi. Ouais, c'est vrai. Solide, solide. C'est vrai. T'as bon. C'est tranquille, c'est un plaisir de vous voir, putain. Incroyable, vous avez foutu le bordel au Bahamas cette fois. Non, on a rien foutu. C'est votre voiture, ça? Oui. C'est mon air. Ça fait du bien de te voir avec un peu de cheveux. Bah ouais, mais ça va, ça a repoussé, quoi. Ah, heureusement. On a un problème, il y a un mec armé. Quoi? C'est qui parle là? Je vais rallumer sa mère par les Il y a un mec armé, venez. Putain,
Putain, y'a un mec armé apparemment. Mais quelle radio? 85-69, c'est qui le mec armé? C'est qui le mec armé? C'est qui? Derrière, venez, venez, venez. Derrière. On va le buter, son culé. T'inquiète, t'es là, on va te venger, t'inquiète pas, on arrive. On arrive, t'es là, on arrive. C'est un mobile. L'obsa. Ouais, beau gosse. Ouais, beau gosse. Bon gars, allez, chopez-le là. Je vous dis, on veut me braquer, ouais. Putain. Mais non, mais il est con, quoi. Mais non, pas le braquer, mais non. Ouais. Mais tu travailles chez nous, toi. Mais ouais, tu travailles chez nous. Non, je travaille pas chez vous, c'est faux. Ah ouais. Ouais. Mais ouais. Pourtant, il y a un MOBI qui travaille chez nous. Viens là, je vais te buter. Essaye. Arrête ça, Johnny. Viens là, je vais te buter. Oh, je vous réception en dessous. Vas-y. Arrêtez s'il vous plaît, pardon Schwanzer. Là vous voulez des sous? Vous voulez des sous? J'ai tout ce qu'il faut. Levez vos matchs, levez vos matchs. Attends, 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 attends. Non, j'ai trop mal, putain. T'es là, viens, 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 viens. T'es là, viens. Vas-y maintenant, tu t'excuses, je sais. John, t'abuses, John. Jean Diego, t'as déjà. Ah ouais? Attends, sur la fin, t'as là. Moi j'ai pas. Désolé, c'est. J'avais les nerfs. La ferme. Non, je suis désolé, femelle. Excuse-toi. Pas femelle. Comment elle s'appelle? Tayla. Tayla, yo, t'as un beau prénom en plus. Excuse-toi. Yo, pardon, Tayla, je t'aime. Je sais pas comment m'excuser, j'ai jamais fait ça. Voilà. Maintenant, hop, je prends ton gun, hop, j'enlève les chargeurs, je le balance. Voilà, hop, voilà. Yo, arrête ça. T'as plus de munitions, enfoiré, casse-toi. Casse-toi, ça, je te pète, toi. Ah, pardon. Putain, ah, c'est quoi? Et voilà. Hey, par contre, il a une lancée de bâtard. Putain, je suis bon. Ça va, Tayla? Tu vas bien? Pas blessé? Non, ça va, tranquille. Ok, parfait. Et j'ai envie de voiture. N'hésite pas, si t'as le moindre souci ou quoi, tu m'appelles. Okay. Mais je pensais pas que vous alliez partir comme ça. Ah bah, tu vois, moi c'est simple. On touche pas aux personnes que j'aime. C'est tout, c'est comme ça. Tout simplement. Non, ça c'est John qui l'a pris. C'est comme ça que je fonctionne, tout simplement. Bon, mais John il est parti, mais il y a plus de place dans la mais voiture. Mais John, reviens, connard! Elle est tout seule, t'es là! T'es con ou quoi? J'ai une deux places! J'ai une deux places! Pire des canards dans le coffre, mais. Putain. John, il réfléchit pas, il utilise pas son cerveau, c'est grave! Bah, surtout pour lui foncer dessus! Malade mental! Il a percuté tout le monde, vas-y, t'as. Tu sais que moi j'ai juste voulu lui mettre une. Pas l'écraser en mode voilà, mais je voulais lui mettre un dérapage et avec le dérapage toucher ses jambes avec de l'arrière, tu vois, en mode je te bouscule, tu vois. C'est bon. Ouais, j'ai capté. Dans ces moments là, y'a que comme ça que tu peux les arrêter. Attends, MNF, descends s'il te plaît parce que je dois aller avec Vassa. Bon, monte avec. Monte avec John et Tayla. Vas-y, Tayla, si t'as un souci, tu m'appelles. Hein. Ça va, on a été réactif. Ah, mon téléphone veille. Ah, c'est Logan, putain. Ah là, Logan, viens quoi. Ouais, c'est fermé, c'est normal. Ouais, j'arrive. J'arrive mon gars. J'arrive, t'inquiète pas. Connard, pas tu dépasses toi. C'est le mec qui grave, il veut niquer tout le monde. Oh merde, oh, je t'ai pas touché. Ah tu l'as niqué. Ah, excuse-moi, je t'ai pas touché sur, pour moi, beau gosse. Désolé, excuse-moi, beau gosse. Si, moi, je m'en suis. Ah merde, désolé. C'est bon, on peut y aller. C'est bon. Moi, je t'ai pas vu le toucher non plus. Ouais, c'est. Oh putain, merde, désolé Logan. Putain, j'ai pas fait exprès. Vas-y, viens Logan. Logan, réveille-toi s'il te plaît. Je suis là. Ah, mais wesh, mais wesh, t'as changé de coupe. Ouais, mes cheveux ont repoussé, c'est pour ça. Parce qu'en fait, on m'a rasé le crâne pour l'opération et mes cheveux ont repoussé. Ah, c'est grave tard. Tu voulais me parler de quoi? Dis-moi toi. Ah, ouais, je vais peut-être quitter l'agence. Mais non, pourquoi? Parce que là, on m'a fait une proposition. C'est pourquoi t'es là? Coucou. Ah Diego, tu peux mettre un masque s'il te plaît? Oh putain. On n'a pas été au tatouage du coup. Ouais, on va les voir maintenant, let's go. C'est bon, ouais, c'est go, bon. Go tatouage, on va faire des tatouages. Tayla, tu veux venir? Ouais. Bah monte dans le coffre. Tu veux? Oui. Eh oui, bah monte dans le coffre. Ah ouais, monte dans le coffre. Il y a plus de place. Il y a que c'est une deux places plus coffre. Allez, viens Tayla. Il y a rien dans ton coffre. Bah oui, mais monte dedans. On n'a pas dit montre le coffre. Non mais elle, c'est une pépine. Elle est blonde. Elle est blonde. T'es une vraie pépine quoi en fait. Ok, j'ai capté. Oh, une vraie. Vous enculez le gouvernement. Voilà. Comme ça c'est dit. Le mec c'est un grand CF malade.
Vous êtes des pépines et pépins. Mais moi, je suis pas un pépin, je suis une pastèque. T'as... plein de pépins. T'es un pépin, gros, t'es un pépin. Bon, je me mets à poil. Allez, à poil, c'est parti. Aïe. Oh non. Oh, bordel, incroyable. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est bon comme toi. Mais Diego, il a déjà des tatouages partout, il veut des tatouages. Mais non, c'est pas les tatouages que je veux faire. Hop là, c'est bon. Incroyable. Comment je suis trop beau gosse, putain. Non, j'adore. En fait, c'est plein, mais ils sont trop beaux. Hein. J'en avais jamais vu autant. Gros, t'aimes mon corps. Je suis rempli de tatouages, frère. Mais bah oui, t'es une œuvre d'art, toi. Y'a même plus de place, gros. Soirée mente. Mais... incroyable, y'a tout mon cas suivi. Incroyable, y'a tout mon cas suivi. Wow. Incroyable, j'adore. Vas-y, je sors le mégaphone. Ça a dit ce fétum. Ça a dit ce fétum. Gros, je suis loin de moi, j'étais dans ce système. C'est toi, tu sais pas, tu sais pas, pour ce qu'il t'aime. C'est pas tout ça. Tom, ce qu'il est. Mais non, jure, je suis un tatoueur, bordel. Allez, dépêchez-vous. Oh putain, j'arrive. Je vais mettre les cheveux. Je suis en route, je suis à 1 km. D'accord, Kennedy, c'est noté. Tu vois, toi, je vais compiler. C'était putain. Eh, on se calme sur les insultes là! Désolé, c'est Diego, ce bâtard, il m'a trop influencé à cause de lui. T'es devant moi! Il y a quoi? Par pitié! Là, je vous gêne là! Il y a des nouveaux tatouages ou pas? Je vous gêne. Il y en a beaucoup, mais je sais pas s'il y en a des nouveaux. Il y a des nouveaux? Je sais pas. Je cherche un tatouage, ça fait un mois que je cherche un tatouage. Un tatouage? Aïe, fils de pute, t'es mort, fils de pute, allez hop, toi, bâtard. Allez, il est mort si vite. Il est tombé si vite. Non, je me suis couché comme ça, il me fera pas. Ah, ok. Après, c'est ce qu'on dit. Regarde le tatouage que j'ai mis, il va trop bien avec ma tenue préférée, regarde. Oh, jure, on le voit et tout. Par contre, t'as un trou, gros. Oui, j'ai failli prendre quelque chose. Il a un trou. Ouais, je suis pas époucaf, mais il a un trou juste là. Ferme ta gueule. Ah, je suis voir. Tu meurs beaucoup de fois, je trouve. Ta gueule, c'est un tic. C'est pas ma faute. C'est soit je dis incroyable, soit je dis je suis mort, soit je dis c'est magnifique. Laisse-moi tranquille. Putain. Ouais, regardez. Monique, elle vient avec tout le. Attends, Monique, c'est qui ça, Monique? Chut, elle vient avec tout le beat goofy. C'est pas AD, c'est Kyle, connard. Bah oui, c'est ce que j'ai dit Kyle. Non, t'as dit AD. Ah, toi, c'est qui Monique, c'est qui? À quel âge elle habite tout? Chut. Non, prénom, tu sauras rien. Elle vient avec tout le beat goofy. Tout le beat goofy vient, oui. Ouais. C'est ta meuf. Ouais, mais meuf, en soi, si tout le beat goofy vient, elle est pas obligée de rester avec eux. Elle va se dire, bah c'est bon, ils peuvent rester entre eux. Ah non, mais oui, non, mais en vrai, c'est bien. Hein. C'est ouais, c'est bien pour les affaires, ouais. Fous ta gueule, tu feras pas. Comment ça, mais je. Oh, c'est qui? Oh, tu veux. Mais. Je vais te taper sur la gueule aussi, hein. Mais putain, je vais taper sur la caisse. C'est qui ça? Attends, moi je vais prendre ta tête. Attends, c'est celui qui va taper aussi. Voilà. Attends, parce que moi, y'a Kaneki qui va débarquer. Attends. Non, mais lui, il va mettre ta Sumbar, fils de pute. Non, je vais pas mettre ta Sumbar. Je me suis fait mal au poing. Écoute-moi. C'est tout, t'es sûr? Dugo, viens là, Attends, c'est ta main ou? Je me mets des gifles là. Attends, vas-y, refais, vas-y. Je sais pas quel tatouage. Oui, dis-moi. Ça va faire comment quand tu vas présenter le bureau à la meuf du Bénin? Vas-y, relève-toi. Mais arrêtez de la frapper, la pauvre. On est avec des problèmes, hein. C'est qui qui frappe qui? Moi je tape Taylor pour qu'elle se relève. Oh, relève-toi! Viens d'ouvrir ce camion là, vas-y. Ah, attends, viens ici, Diego, je t'ai pas mis une nuque. Comment ça une nuque?
Je suis pas chauve, qu'est-ce que tu racontes? Mais tes cheveux ils ont poussé, j'ai pas eu le temps de te mettre une. J'arrive mon gars. Bah vas-y, fais plaisir. Ah, voilà, c'est bon. Mais putain, t'aurais pu faire le bruit, connard. Pourquoi putain, vraiment, enculé. Ça chie. Enfoiré. Putain, je suis donc comme ça, en gros, on est déguisé, mais. Donc demain, je finis mon taf. Ah, je crois que c'est ça la dingue. Donc demain, je suis là dans la soirée. Samedi, je suis là dans la soirée seulement parce que je pars au cinéma. Dimanche, je suis là. Lundi, je suis pas là de l'après-midi, mais je reviens après dans la soirée, tard le soir, jusqu'au lendemain. Le lendemain, je suis là aussi jusqu'au lendemain. Et après, le lendemain, je pars travailler à 13h. Donc je recommence le travail mercredi 13h. Ouais. Et jeudi, il y a grève, du coup, je pose un congé grève. Allez, on y va, c'est parti. Allez, vamos à la playa. Vamos à la playa, me gusta baila, baila. Mais putain, mais non, c'est de la triche. J'étais du côté du conducteur. J'ai glissé. Non, c'est de la triche. J'ai mis un coup de fesse. J'ai mis un coup de fesse. Tu manges que maintenant, toi? Ouais. Oh, j'ai fait une roue, t'as vu? Incroyable, t'as cabré. Mais c'est grâce au bas de caisse, c'est trop bien. Au début, hein. Oh, il a gardé, t'inquiète, panique. Je m'en fous, il y a des personnes dedans. Je vous encule. Voilà, tu. Elle est abandonnée. Tu, ouais, tu, le mec, il vomit. Ouais, t'as vu. Ça vient de se barrer, hein. Mais ça part en couille, là. Bonsoir. Allez, c'est tes ancêtres. Vous allez bien? Ça va? Essayez, merci mon frérot. Hein. En vrai, il y avait une dinguerie apparemment là. Il y avait des flics et tout. Il y avait une opération. En cours là? Ouais, là. Bah regarde, t'entends pas les sirènes? Si, j'entends. Bah c'est, il y a une opération avec des mecs et tout. Ah ouais. Je sais pas, il y avait quoi, je croyais, il y a un labo ici. Ils vont nous prendre pour des fugitifs. Ouais, bah. Force, hein. Oui, force. Elles sont fortes les pédales. Ouais. Bordel. Attention parce qu'ici une fois j'ai mis ma voiture dans l'eau. Hein. Non mais regarde, ouais. Moi je parle de devant. Oui. Oh, ça rafale de fou là. C'est quoi ce bordel? C'est dit, une opération, il y a des mecs qui les a captés. En 5 secondes, dès que je suis arrivé, je te mens pas, j'ai pris mon gun dans les mains. Hein. Ah ouais? Ah ouais, y'avait des gars et tout, ils étaient cagoulés et tout. Diego, faut que tu regardes tes messages privés. Putain. Et où? Ici ou au Radio D? Je sais pas, il l'a pas dit. Sinon, ça va mes petits jeunes derrière. Ouais, ça va et toi, papy? Quoi? Diego! Quoi? Tu peux pas me laisser conduire? Pourquoi? Comme ça, je mets de la musique. On s'en bat les couilles, frère. Bah non, laisse-moi mettre de la musique. Je mets de la musique. Ouais. Papy, dis-lui, ça va te faire mal aux oreilles, la musique. Ah non. Ah non. Ça fait mal aux oreilles, la musique. Papy, il veut de la musique ou pas de musique? Comme vous voulez, les petits jeunes. Allez, adios, le Bahama. Salut Diego. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sera pas lent et on est en un cas grave là. J'arrive, ça sera pas lent. Oh là 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 là. J'arrive bientôt. Qui gêne justement ma collègue là? Vas-y. S'il vous plaît. Ah, vous avez besoin d'un... Ah. Allez-y, suivez. Ok, je suis là. Ça va, c'est dur. Ok, parfait, toi. C'est bon, il est avec moi, Mickey. Okay. Allez, maintenant, je te kidnappe. C'est parti. Du coup, monsieur, veuillez circuler sans voler des voitures, hein. Alors, oui, non, mais ça, juste bien, tranquille. Autant ne pas crier et ne pas essayer de voler des voitures alors. Ouais, c'est pour ça que je vous dis de circuler. Je sais pas si on pourrait. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Comment ça, t'as quitté le Bahamas? Ouais, j'ai démissionné. Mais comment ça? Pourquoi? Trop toxique. Ok, fait que j'avais raison. Pour... Ah! Bordel, j'ai même pas vu arriver. Contresens! Non, mais il était à contresens aussi. Aïe. Ça va bien? Monsieur.
Mal de tête, je vous ai vu arriver que à... Ouais, pareil, ouais, ouais. Pareil. Ah, bordel, vas-y, force. Vas-y, force, mon gars. Merci. Ouais, du coup, t'avais raison de quoi? Ben, que d'un fois, il parlait à Jess. Mais tu sais qu'ils sont en couple, là. Quoi? Ah oui, oui, je l'ai appris ce soir. Ils sont en couple, ça y est. En fait, ce qu'il a fait, c'est que quand moi, j'ai commencé à me rapprocher de fou de Jess... Lui derrière, il a commencé à dire, à raconter de la merde sur moi pour qu'elle s'éloigne de moi. Et une fois qu'elle m'aurait dit, ouais, du coup, il y aura rien entre nous, c'est fini, genre un truc comme ça. Bam, il attaque et ils se mettent ensemble. Tu vois ou pas là, tu vois ce qu'il a fait? Oh oui. Oh, attends, faut qu'on aille voir Marcus. J'avais oublié de te... Vas-y. Attends, je te mets le point. Vas-y. T'as vu comment il est? C'est une dingue, hein. Oh oui, mais non, mais. Pour moi, puis qu'ils me disent qu'il veut être avec H. Après, c'est moi qui dis, oh ben c'est oui. C'est faux. Voulais... Genre. C'est tout ça, c'est faux. Oh. En fait, il a fait avec toi, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, il a abandonné, il est parti sur H. Après H, il a fait Jess. Et maintenant, il a fait Jess. Oh, mais non, en plus, tu te rappelles, moi, il m'avait dit. Ah oh, ouais, c'est ça, fait que le. Donc là, que tu veux. Je t'ai recalé, donc tu vas tout de suite avec Diego. Non, mais lui, ça fait 3 meufs en une semaine. Hein. Oui, en fait, il a fait toutes les meufs. Oui, jusqu'à ce que quelqu'un ait une meuf morde à l'absent. Ah. Tu vois ou pas? Ouais. Il a fait toi, H, là, il est. Jusqu'à ce que Jessica morde à l'absent. Mm-hmm. En fait, il s'est commencé déjà à se parler. Mais il n'y avait rien. Et c'est quand j'ai commencé à lui parler, etc., que j'étais grave proche, que là, il a commencé à dire de la merde et faire ses trucs avec elle. Ouais. C'est pour ça que je la voyais plus, je la voyais de moins en moins, elle partait, etc. Parce qu'elle était avec lui. Ah oh. Ben oui. Il parlait sur le toit du Bahama, etc. Ok. Ben oui. Ok, je vois. C'est un putain de manipulateur. C'est un putain de. C'est lui qui pisse dans les cerveaux. Mm-hmm. Mais ça, je l'ai cramé. À partir du moment où Jessica a commencé à être bizarre avec moi, je l'ai cramé direct. Je me suis dit, du lendemain, il arrête de me parler, etc. Ouais. Puis qui est resté au bar, tu vois pas? Quoi? Il est resté que au bar. Ouais, oui, mais c'est ça. Puis en plus, il en fait, il travaillait même plus. Il travaillait même plus. Il est resté que au bar à côté de Jessica. Et c'est pour ça que ça m'a, ça m'a fait rire quand elle m'a dit, ouais, t'es trop collant, je sais pas quoi. Vas-y. En fait, j'ai fait trop le gentil avec elle. J'étais vas-y. Qu'est-ce que je te dis? C'est con. Bah ça va, au moins j'ai eu une bonne soirée avec elle. Ouais, t'as eu du bon temps, ouais. Ouais, j'ai eu un moment de plaisir avec elle, donc elle m'en bat les couilles. Ça va, tranquille. Elle a joué avec mon cœur et j'ai joué avec elle, voilà. Elle m'a pris pour un con. J'ai pris pour Chap. Et dire que je voulais me poser trop sérieux avec elle. Vraiment. Putain de merde. Hein. Ah. Oui, où est-ce qu'il est, Marcus? Attends. Il est dans le sud, il arrive. Ah ouais? Ouais. Mm-hmm. Tu joues quoi là? Tu joues quoi là? Tu m'habilles ou quoi? Putain, Alexia. Jusqu'à... Ouais, ça y est, elle m'a rendu fou. Elle m'a tellement rendu fou que. Ça y est. Mmh. Bordel. Tu veux que je t'habille? Ouais, tu m'habilles ou quoi? Ok. Ouais, ok, commence du début, je vais te dire quand il va aborder tout. Ok, vas-y, attends. Commence du début. Mon cowboy préféré! Jure, ça va quoi? Comment tu vas, Diego? Ça pourrait aller mieux. Ah ouais? Diego, Laetitia, je vous présente Johanna et Ryan. Salut. Je suis pas là. Salut. Hola. Je suis pas là. Hola, comment est-ce que tu vas? Bien, bien, alhamdoulilah. Qui dis-moi quand tu es arrivé au début. C'est qui dort là, s'il vous plaît? C'est Johanna, cette folle. Ah, ok. Et j'ai revu Sam hier au bar, au Yellow. Ah ouais, j'ai démissionné du Bama. Sa...
Elle était accompagnée de sa tante et tout, elle m'a demandé des nouvelles de toi, t'as appelé, t'étais pas là. Ah ouais. T'étais où? T'aimerais pas aimer Canou dans le Nord? Avec Marcus? Ben... pour l'instant, c'est fermé les recrutements. Et ça va être compliqué. Oh, pour vrai? Ouais. Moi, j'en sais rien. Mais je sais jamais, mais les êtres humains sont compliqués, surtout les êtres humains de type Marcus. Hein. Trop hypocrite, les êtres humains. Qu'est-ce qu'il a le. Ok, bon, ferme ta gueule! Hey, arrête, je suis en GoPro, c'est un folle. C'est une connasse, Johanna, je te jure, j'ai envie de te niquer ta race. Mais c'est une folle, ou quoi? Comment je vais faire? Moi, je vais devoir couper ton montage encore, putain! C'est grave! Là, j'ai des œufs. Arrête de rigoler, espèce de connasse! Diego, c'est quoi ta GoPro? YouTube. Vas-y, balance, on va s'abonner. Tu m'enverras sur Radio D. Vas-y. Et qu'est-ce qu'il y a là, j'ai tenu là, ça fait 13, là c'est bon, là, encore une heure de montage. Elle abuse, hein. Elle abuse, hein. C'est grave, hein. Elle abuse, hein. Attendez, je suis en mode styliste. Là, ouais, voilà, elle m'habille. Cassez-vous, vous êtes... je vois ta grosse tête, Johanna, là. Qu'est-ce qu'elle a, Nabil? Johanna, je vois ta grosse tête, là. Casse-toi! Arrête! Voilà, c'est bon. Nabil Akili. Nabil Laresh. Nabil Laresh. Ok, commence à défiler doucement, puis je te dirai. Okay. Arrêtez. Mais ça nous dit pas la GoPro à la base. Quoi? Mais frère, c'est quoi ça, Marcus? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça ramène? Elle est folle, je te jure, elle est folle. Depuis hier, elle fait n'importe quoi. Tu veux que je la calme? Vas-y, j'ai trouvé une GoPro, mais c'est pas la sienne, putain de merde. Non. Mais comment tu veux marquer? Mais surtout, dis-toi, j'ai trouvé une GoPro d'un mec qui est en ville ici. Comment c'est quoi son blaze? C'est quoi son blaze? C'est Rezi. Ah ouais, non, c'est pas moi, c'est bon. Recule. Le mec, il est à l'auto-école, s'il te plaît. Moi, j'aime le menton quand même. J'aime ça comme ça. Mais ça y est, on n'est pas, il fait pas moins 72 degrés. On n'est pas. Ok, attends, recule encore. J'avais vu des... quelque chose. Elle a CBD, ça enfume à la Québec. Ça, le a encore. Ça oui, moi, j'ai une prescription en plus. Ok, continue. Avance. Ouais, une petite veste de cul. Genre ça là, ce genre de pantalon, c'est pas bien ça? Oui, aussi. Trop classe. Bah, je suis un vrai latino. T'as des tatouages, t'es un gangster toi. Non, lui il est très classe. Hashtag raccourci. Diego est très classe. Qu'est-ce que je pourrais. C'est quoi ta couleur préférée, Laetitia? Ben moi c'est le rose ma couleur. Non, c'est le noir. Ah non ça. Tu vois, moi je suis tout le temps full black. C'est ça. Incroyable, vas-y je vais écrire comme ça. T'es pas en GoPro les tics. Ouais c'est bon. T'es un menteur. Quoi? Comment t'as trouvé? T'inquiète pas, moi je trouve tout quoi, je peux chercher. Voilà qu'il est, il a trouvé. Marcus envoie-moi s'il te plaît. Il a trouvé. Vas-y, il y a combien d'abonnés? Je t'ai dit si c'est vrai ça. 174. Oh putain, il a trouvé l'enculé! C'est quoi la dernière vidéo? Oh putain, il a trouvé l'enculé! Ah le chien! Oh là là! Ok, attends, il m'a fait dernier. Attends, moi aussi je vais mettre un petit col roulé. Comment ça fait stylé, ça fait daron et tout? Daron? J'ai 23 ans. Oui, bah voilà, tu prends de la maturité. Après, peut-être que si je soulève Laetitia, ça trouve à quoi? Quoi? Je rigole. Viens voir, s'il te plaît, Johanna. Apparemment, il veut pas trop. Tu parles à moi? Non, je dis, tu t'appelles pas Johanna. Tu t'appelles pas Johanna? Ah merde, putain. Frère. Mec, il a pas d'amis, quoi. Elle parle à qui, elle? À l'autre là-bas. Ah. Elle prend vite la confiance, Johanna. Là. Mais c'est ce que je lui dis, je lui dis de se calmer, d'arrêter de faire la dangereuse. Parce que. Non, parce que tu sais que. Moi je suis pas. Moi je suis un mec, je suis tranquille. Je suis un mec posé. Mais tu sais qu'il y a des mecs. En trois phrases, tu m'as dit va contre le mur. Oui, ça dépend pour quelle situation. Ça dépend de la situation. Mais tu sais que, Johanna, je te préviens. Hein, tu vas tomber sur des gens, ils vont pas parler chez nous avec toi. Oh là là. Elle est folle, je te jure, elle est dingue. J'ai envie de la buter, je te mens pas, je te dis, je suis honnête avec toi, Marcus. Franchement, c'est...
Ah, elle est pas méchante, je te jure, juste des fois les casse-couilles. Mais elle est pas méchante. T'es calibré, toi? Ouf, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. De toute façon, je peux tout voir maintenant. Et t'as un câlin. Je t'ai laissé un petit commentaire. Jure, oh, incroyable. T'as abonné, t'as laissé un petit like. Comment j'ai laissé petit un like, petit commentaire et tout. Comment j'ai laissé un j'aime pas. Comme ça. Ok. Mais du coup, ouais, c'était mon ex. Allez, moi j'ai une réunion. Qui t'a parlé, qui t'a autorisé de fouiller, me fouiller toi là? C'est comme Diego, on se revoit plus tard, je te laisse avec Lady. Jana, fais pas la conne. Ok, prends soin d'elle. T'inquiète. Il va falloir que je te parle d'un de ses collègues plus tard, ok? De quoi? Je la protège. De quoi? Un de ses collègues, ok, j'ai pas confiance, mais je t'en parlerai plus tard. Vas-y, carré. Marc, je reviens dans toi après si tu veux. Ah, je viens tout de suite. Ok, vas-y. Diego. Si. Tu es sûr de vouloir faire ça? Si, il est temps que la fête commence. Oui bien. Tu sais, Diego, une fois que la sauce sera donnée, on peut plus reculer. Alors, sois sûr de ton coup. Dio hermano de se préparer. À 4 heures, nous lançons l'assaut. Muy bien. On a big payback. The big payback. That's where I live. Oh, on a big payback. The big payback. I just do wheeling. Bon, les hermano, le patron a dit qu'à 4 heures nous attaquons à la prison. Alors, préparez-vous. Et surtout, s'il faut descendre personne, vous avez carte blanche. Hermano, c'est le signal. Go, 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 go. Crevez, bande de chiens.